Ok, j'étais en train de chercher à voir si j'étais déjà en direct ou pas. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Désolé pour le retard. J'ai subi un gros coup aujourd'hui. Où je suis sorti, quand je suis rentré tout à l'heure, ma maison était en dessus-dessous. Vraiment, ma maison était en dessus-dessous. Les matelas soulevés, les tiroirs enlevés, les habits à gauche, à droite, un peu de partout, en haut, en bas. La maison était vraiment, comme on dit, en dessus-dessous. Et donc, j'ai dû appeler la police qui est venue. Et puis, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Il y a la police scientifique qui est arrivée, qui a essayé de relever les empreintes de pas, qui a essayé de relever les empreintes digitales et tout ça, et puis beaucoup de questions, vous savez, ça a pris du temps. Depuis 17h, donc 18h heure de Paris, que je suis rentré, jusqu'à présent, c'est maintenant que la police scientifique termine son travail. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je n'ai pas envie d'être trop... Vous voyez un peu de quoi je parle, mais... Vous savez, les positions que nous occupons sont très délicates. Donc, du coup, on ne simplifie rien, on ne néglige rien, on essaye de... C'est vrai qu'on essaye de relativiser, on essaye aussi de positiver, mais quand même, on ne néglige aucune piste. Donc, voilà un peu ce qui m'a retenu, ce qui a fait en sorte que je sois vraiment en retard ce soir. Et vraiment, c'est quand même très curieux parce que... Mon laptop... Il est toujours là et il était déposé sur ma table. Il y avait mes téléphones, il y avait des téléphones de ma femme qu'ils n'ont pas pris. Il y avait certains, c'est-à-dire des appareils de valeur. Il y a des téléviseurs, des costauds téléviseurs là, des écrans plats que vous connaissez qu'ils n'ont pas pris. Et c'était en journée. Ils n'ont pas vraiment pris des objets de valeur à part la bague de fiançailles que j'ai offert à ma femme, une bague de fiançailles, bon, quand même, qui coûtait quand même un peu cher, hein. Donc, à part la bague, ils ont pris, et puis, bon, voilà. Donc, du coup, le temps de revoir tout ça, c'est ça qui m'a pris vraiment tout ce temps-ci. Je tiens déjà à présenter mes excuses pour le retard, mais le direct de ce soir est un direct qui est vraiment très important, que je vais vous demander de partager massivement. Vous voyez le décor, même derrière moi, a changé. Vous voyez que je ne suis pas à l'endroit habituel, là où je fais d'habitude les directs, parce que si je ne fais pas souvent les directs au salon, des fois je les fais dans ma chambre. Et là, aujourd'hui, je ne peux faire ni dans ma chambre, ni dans mon salon. Donc, je fais ça plutôt dans une autre pièce de la maison qui n'est pas adaptée, n'est-ce pas, à la situation. Donc, vous pouvez remarquer très bien que la décoration est bizarre et la décoration a changé. Mais quand même, on ne négative pas trop, on ne négative pas, on n'éloigne pas certaines pistes. C'est la police qui va nous dire exactement ce qui s'est passé. Et voilà, donc, je tenais à vous faire cette précision-là pour vous présenter mes excuses par rapport, au retard. Voilà, donc bonsoir encore à tout le monde. Je vais vous demander de faire un maximum de partage. Vous qui êtes déjà connectés, vous êtes déjà nombreux connectés, faites encore chacun 10 tours de partage. Faites à ce que, à la 10e minute de ce direct, on soit déjà aux 1500 à 2000 partages habituels à nos directs. Et surtout, bipez Samuel Eto'o. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas biper, tu écris @ devant le nom de quelqu'un et puis tu écris... le reste de son nom, tu vas voir que ça va s'afficher. Tu le tags, bipez-le. Ce qui se passe dans notre pays est très, très, très grave. Ce qui se passe dans notre pays est scandaleux. Ce qui se passe dans notre pays est abominable. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais le dire, mais la répétition est quand même la mère, comme on peut dire, de l'éducation ou de l'information. Nous devons toujours être de toutes les façons indignés, mais seulement le niveau... C'est-à-dire, le niveau où nous sommes dans notre pays aujourd'hui, ce n'est plus l'indignation qu'il faut. Il faut agir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse
quelque chose pour notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne plus attendre que ce soit le régime Biya qui décide de notre avenir. Je vais commencer déjà à présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées aujourd'hui au sud-ouest Cameroun. Ces enfants qui ont une fois de plus perdu la vie. Je n'aime pas avoir raison sur ce genre de cas, mais malheureusement c'est le cas. Une fois de plus, l'avenir me donne raison. Parce que vous vous rappelez le dernier direct que j'avais fait sur la petite qui a été tuée récemment par un policier, la petite de 7 ans. Je n'aime pas prononcer les noms des morts. Ça, pour moi, ça sonne un jar. C'est-à-dire, je n'aime pas prononcer les noms des morts. Donc, vous allez m'excuser si j'ai dit la petite, les élèves, les enfants. Ça me fait bizarre. Je n'aime pas prononcer les noms des personnes qui sont décédées. Donc, je vous avais dit, pour le massacre de Ngabou, rappelez-vous, nous étions tous ici connectés. On était nombreux. On vous a dit que ça va se répéter. Après Ngabou, c'est Kumba. Ça va se répéter. Après, c'est la petite qui a été tuée par le gendarme qui lui a été lynché à son tour, à mort par la population. Je vous ai toujours dit ici que ça va se répéter. Que tant qu'on ne fait rien, ça va encore se répéter. Et on sera toujours sur les réseaux sociaux à dire rip, à commenter. Commenter, on attend quand il y a des meurtres, il y a des tueries, on commente. Il dit ça va se répéter. C'est évident que ça va se répéter. Parce que le fond du problème n'est pas résolu, donc ça va se répéter. Et après, la petite de 7 ans qui a été tuée récemment, très récemment, si je suis encore venu en direct, je vous ai dit, ça va se répéter. Voilà ça encore qui s'est répété aujourd'hui, non? Et je vous dis encore ici en direct que ça va se répéter. Pourquoi est-ce que ça va se répéter? Parce que c'est logique, c'est une logique. La situation qui prévaut là-bas, n'est-ce pas? T'as dit, c'est logique, ça va se répéter. Tant qu'on ne fait rien, ça va se répéter. Et laissez-moi vous dire, tant que le régime Biya est là-bas, au pouvoir, ça va se répéter. Voilà pourquoi vous voyez, je suis devenu, c'est-à-dire, ma tête chauffe quand j'entends on parle des élections dans ce pays-là. Ma tête chauffe quand j'entends on me parle des élections, on parle des histoires, on me parle de paix et tout, ma tête chauffe. J'ai dit que moi, je ne vais plus trop m'occuper de ce que les gens font. Mais seulement pour essayer d'argumenter, il faut toujours prendre des exemples. Donc, j'étais en train de dire que je présente encore mes condoléances, mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Tout en disant à mes frères du côté francophone que ça ne sert à rien de se lamenter tous les jours. Ça va se répéter une fois de plus. Je vous le dis encore. Si rien n'est fait, ça va se répéter. Vous avez vu vous-même que le régime Biya n'est pas prêt à la négociation ou au dialogue. C'est toujours ici qu'on vous disait, on passe le temps à vous dire depuis, que le régime Biya n'a pas ça dans son système. Ce n'est pas installé dans son système. Le mot dialogue, le mot causerie là, ce n'est pas dans le système de Biya. Ce n'est pas dans le système du régime. Ce n'est pas dans leur système. C'est-à-dire, ce n'est pas installé. Tu ne peux pas demander à un ordinateur de démarrer un programme qui n'existe pas dans cet ordinateur. L'ordinateur ne fonctionne qu'avec les programmes que tu installes. Si tu n'as pas installé, peut-être, disons, un antivirus comme, disons, Avast, sans vouloir faire la publicité, comment est-ce que tu vas vouloir que Avast fonctionne dans ton ordinateur quand tu n'as pas installé le logiciel? Ça ne peut pas fonctionner. Si tu n'installes pas des programmes et des logiciels dans ton ordinateur, ton ordinateur ne peut pas utiliser ces programmes parce que ce n'est pas installé dans son système. Alors, comment est-ce que vous voulez que le régime Biya parle de dialogue ou de négociation ou alors, d'autres choses que ce qui est dans son système? Le régime Biya, eux-là, ils ne connaissent que la répression. C'est tout ce qu'ils connaissent. Le régime Biya ne connaît que la barbarie. C'est tout ce qu'ils connaissent. Le régime Biya ne connaît rien d'autre. Le régime Biya, c'est le vol, la répression, la barbarie. Le régime Biya ne connaît rien d'autre. D'ailleurs, vous voyez peut-être, je ne sais pas si je vais me retrouver là rapidement. Hein. Je vais vous prendre un petit exemple très simple. Je vais vous prendre un petit exemple trop simple même. Et puis, j'espère que vous allez comprendre où je veux en venir. Je vais vous passer... C'est-à-dire une intervention du sénateur Albin Bida, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, a des problèmes avec Atangandi,
N'est-ce pas? Je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, ce que le sénateur Albin Bidadi d'Atangandi. S'il continue à poser des actes de nature à nuire la tranquillité du Cameroun, il vous traitera comme le délinquant, enfin, comme les délinquants doivent être traités. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli déjà cette sortie-là? Bien. Avec tout le respect que je dois à la fonction, puisqu'il a été nommé de cette haute fonction par la plus haute autorité de l'État, je dois néanmoins dire que cette sortie ne m'a fait ni chaud ni froid, que c'était une petite affaire qui sentait le Cubain et le Chinois. Un. Deux, sauf erreur de ma part, peut-être qu'il y a le poids de l'âge qui fait à ce que mes oreilles soient sourdes, M. Paul Atangandi n'est pas ministre chargé des sports. Et c'est pour là que je me suis permis de lui rappeler la loi camerounaise sur les sports et le décret qui organise le gouvernement qui dit que c'est le ministre chargé des sports qui assure la tutelle des associations sportives. Quant au fait qu'il m'a traité d'usurpateur, je crois que les usurpateurs sont du côté de leurs amis, tant le fait qu'il m'a traité de délinquant et d'imposteur, est-ce que M. Atangandi est bien placé pour traiter le général Semenge de délinquant? Pour me traiter de délinquant, il avait déjà dit dans une sortie, quel que soit leur rang social, est-il moralement et politiquement bien placé pour me traiter de délinquant et de tout ce qu'il a traité là? C'est pas ce monsieur qui avait dit un jour au président Biya qu'il n'y a pas de problème anglophone? On en est où? Alors, je voulais donc lui dire que je ne suis pas délinquant. Moi, Albert Mbida, je n'ai jamais été dans une cellule d'une prison à Newbell. Donc, je ne suis même pas un potentiel, je n'ai jamais été un potentiel délinquant. Moi, Albert Mbida, je n'ai jamais passé un marché du Covid. Où est mon problème? D'accord. Alors, sénateur, est-ce que vous êtes conscient quand même que dans cette posture-là, vous déclarez plus ou moins la guerre à Paul Atangandi? Je n'ai. Mais est-ce que je suis une armée pour déclarer la guerre à Paul Atangandi? Qui a commencé? Qui a commencé? C'est pas lui qui a d'abord dit, quel que soit leur rang social, il veut s'attaquer au général Semenge? Il veut s'attaquer au sénateur Albert Mbida? Non. Il s'est trompé de cible sur ce plan-là. Il s'est trompé de cible. Je souhaite qu'il choisisse les bonnes cibles et les bons mots, qu'il ne dise plus au président de la République qu'il n'y a pas de problème anglophone. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Où en sommes-nous? Il faut donc maintenant qu'il aille s'excuser auprès du président en disant « Je me suis trompé, je ne devais pas dire qu'il n'y avait pas de problème anglophone. » Ok. C'est bien compris, sénateur. Une reste... Excusez. Où en sommes-nous? Il faut donc maintenant qu'il aille s'excuser auprès du président en disant « Je me suis trompé, je ne devais pas dire qu'il n'y avait pas de problème anglophone. » Ok. C'est bien compris, sénateur. Il ne reste plus que quelques mois seulement. Je voulais que ceux qui ne nous ont pas encore suivis, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Africains qui nous suivent, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, même en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'Africains qui nous suivent et qui ne savent pas qui c'est. En fait, c'est le sénateur. C'est pour ça que je voulais vous laisser que la femme là prononce. Sénateur. C'est le sénateur. Vous voyez un pays comme ça. Voilà un sénateur, n'est-ce pas, qui est en conflit avec le ministre de l'administration territoriale. Le sénateur est censé être un élu du peuple. Et le ministre de l'administration territoriale est nommé par le président de la République par décret. C'est-à-dire, on peut décider demain là, on le retire. Par contre, le sénateur, c'est un mandat. Mais le ministre de l'administration territoriale se permet de manquer de respect ouvertement avec une note ministérielle. Il manque de respect ouvertement à un sénateur. Et le sénateur, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller le clasher sur les plateaux télé. Je vous fais passer cette vidéo pourquoi? C'est pour vous montrer le système BIA. C'est un système de petits copains. Le sénateur Albin Bida lui-même ne connaît pas pourquoi est-ce qu'il est sénateur. Il ne connaît pas le rôle d'un sénateur dans un pays. Il ne connaît pas. Si tu lui poses la question, il ne va pas connaître. Il ne connaît pas. On l'a juste mis là comme ça là pour le récompenser de quelque chose. C'est pour ça qu'il se retrouve dans ce genre de situation. Il va même à la télé, il se met à clasher. Atangandi. Et Atangandi aussi lui-même, étant donné que c'est Atangandi qui organise les élections sur le territoire, parce que c'est l'administration territoriale qui organise, qui sécurise les élections sur le territoire. Donc Atangandi, lui, il sait d'abord intérieurement que le sénateur là, il ne vaut rien, qu'il n'a pas été élu.
Il sait très bien les trucages qu'ils ont fait pour qu'il soit sénateur. C'est pourquoi Atangandi, ministre de l'administration territoriale, se permet de manquer de respect à un sénateur dans la République. Vous voyez un peu le jeu, non? Donc, en fait, c'est une bande de petits copains, de petits amis qui se sont partagés des postes. Et puis chacun reste assis de son côté, dit « Aka, tu ne vaux rien. Je sais comment tu as fait pour arriver là. L'autre est là, tu ne vaux rien. Je sais comment tu as fait pour arriver là. » Un sénateur, un ministre, lui, mais mon frère, le sénateur a le pouvoir de faire tomber un ministre en 2 jours. En 2 jours, dans un pays normal, où chacun est à un poste normal, où chacun sait ce qu'il a à faire dans ses fonctions. Donc ce sont des gens qui ont pris le pays en otage. Ils sont là tranquilles, ils sont assis, ils reçoivent un salaire, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Ils ne foutent absolument rien. Ils sont en train de se discuter des petits argents à gauche, à droite. C'est une affaire de dispute d'argent, toujours la FECAFOOT. Hein. Je vais venir sur Samuel Eto'o. C'est toujours les affaires de la FECAFOOT qui les met en conflit comme ça. En conflit ouvert, dans les médias partout. Et ça n'inquiète personne. La République ne fonctionne plus. Personne ne respecte personne. Le ministre de l'administration territoriale rend compte aux parlementaires. Les parlementaires, ce sont les élus du peuple qui sont censés, n'est-ce pas, essayer de suivre l'action de l'administration et essayer de leur poser des questions sur leur fonctionnement. Ils contrôlent l'administration. Le sénateur est un parlementaire. Et c'est la chambre haute du Parlement. La chambre basse du Parlement, c'est les députés. Et les ministres sont obligés d'aller s'expliquer devant les députés tous les jours. D'ailleurs, il y a l'autre là qui est venu dire que, hier, la crise anglophone nous a coûté près de 423 milliards. Donc c'est devant les députés et les sénateurs que ces gens s'expliquent. Mais comme au Cameroun, tout tourne à l'envers, un ministre peut se permettre de manquer de respect ouvertement à un sénateur. Utiliser les sceaux de la République pour manquer de respect à un sénateur. Il prend une feuille ministérielle estampillée avec les armoiries de la République pour manquer de respect à un sénateur, jusqu'à dire qu'un sénateur est un voyou et que si le sénateur la continue, il va le traiter comme un voyou, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'arrêter et le jeter en prison. Atangandi oublie que le sénateur jouit d'une immunité parlementaire. Mais comme Atangandi, lui, il sait que ce ne sont pas les élections qui ont placé Albert Mbidala où il est. Il sait que c'est un vaurien, que lui, il a été juste positionné. Bah, lui aussi, il se permet de lui manquer de respect parce qu'il sait que rien ne va venir en face. Et Albert Mbidala, lui aussi, il part de son côté. Il ne connaît même pas c'est quoi le rôle d'un sénateur. Il va manquer, il va aussi parler sur les plateaux télé, aller partout, se mettre à clasher avec Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Et puis, ils savent que c'est entre eux. Ils sont en train de jouer avec eux, c'est-à-dire avec les nerfs des Camerounais. C'est une manière de vous démontrer que cette République-là fonctionne tordue. Le seul pays au monde où l'administration n'est pas continue. Un sous-préfet signe quelque chose aujourd'hui. On le remplace, on met un autre sous-préfet. L'autre sous-préfet là vient te dire que mon frère, le document que mon prédécesseur a signé là, ce n'est plus valable. Il faut d'abord encore que tu me choco pour que je signe un nouveau document. L'administration n'est pas continue. C'est chacun qui est patron à son poste. C'est comme ça que le système BIA fonctionne. C'est pourquoi le système BIA n'est ouvert à aucune négociation, aucun dialogue. Malène Nvoutou vous a dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est Malène Nvoutou. Elle vous a dit que quand ils accouchent leurs enfants au sud de Cameroun, ils orientent leurs enfants seulement pour que leurs enfants aillent faire le concours de l'ENAM et passer. Pourquoi? Le journaliste dit que mais pourquoi? Il dit que mais c'est parce que nous sommes nés pour gouverner. Et c'est comme ça, c'est le système que Bia a installé là-bas. Que tous les enfants du sud vont seulement faire l'ENAM pour être administrateur civil, inspecteur des impôts, sous-préfet, préfet, machin truc. Ce sont eux qui doivent toujours contrôler l'administration. Ils doivent être des gouverneurs et tout ça. Donc, et puis maintenant, les autres vont se débrouiller. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Malène Nvoutou qui avait dit ça. C'est pas moi. Donc, en fait, ils ont tracé un plan, une feuille de route.
Et ils ne peuvent pas aller à côté, ni à gauche, ni à droite, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Le vol, le pillage des deniers publics et la répression, quand il y a une tentative de manifestation, de mobilisation, même de réunion. Vous voyez comment des petits policiers viennent manquer de respect à des hommes politiques aussi charismatiques. Ils viennent là, ils disent, oh là là, on a dit que interdit même de se retrouver dans un hôtel. Interdit, allez. Ils font à ce que les hommes politiques aussi respectables et respectés, des élus du peuple, se retrouvent en route comme des voyous en train de donner des interviews. En route, parce qu'on leur a interdit l'accès à un hôtel qui est censé être un lieu où n'importe qui peut venir prendre une chambre ou alors prendre une salle de conférence. Et puis, voilà. Les policiers là ne respectent rien. Pourquoi? Sous ordre du sous-préfet. Vous êtes, le sous-préfet s'assoit dans son bureau, il dit que même la réunion, même pour faire une proposition, non, il refuse. C'est-à-dire, ce n'est pas le genre que tu as fait la proposition avant qu'on te dise que bon, d'accord, au Parlement, comme nous sommes majoritaires à 90%, on a voté contre ta proposition. Même recevoir la proposition, les gars refusent. Même tenir la réunion pour parler de la proposition, les gars refusent. Et vous pensez que ces gars-là, ils sont prêts à laisser le pouvoir, c'est-à-dire, un jour, ils vont se lever comme ça, ils sont contents, ils vont dire que bon, un bon système électoral, et puis voilà, comme ça, ça va nous faire partie du pouvoir. Non! Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils n'ont pas été formatés pour ça. Les gars, tout ce qui a sur leur feuille de route, c'est rester au pouvoir, ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Tout, c'est rester au pouvoir. Et ils vont utiliser comme ça tous les moyens pour museler l'opposition. Et chaque jour qui passe, le peuple camerounais va à ses occupations. Chaque jour qui passe, le peuple camerounais va à ses occupations. C'est comme ça que ça fonctionne. L'endormissement, la stratégie de l'endormissement. Ce que les acteurs politiques qui ont travaillé sur la modification du système électoral ont fait aujourd'hui là, c'était une manière de montrer au peuple à quel niveau, à l'opinion nationale et internationale, à quel niveau est-ce que le régime Biya est fermé aux négociations. Ils sont en train de juste montrer un chemin. Ils sont en... Leur rôle, c'est de nous montrer que les gars-là ne vont jamais donner une élection. Est-ce qu'on va donc attendre que l'élection ait lieu pour confirmer? Les gars nous montrent le chemin. Le problème, c'est que les hommes politiques ont une ligne rouge qu'ils ne peuvent pas franchir. S'ils essaient de franchir la ligne rouge, là, c'est zang, un tour. C'est pour ça que c'est à nous de jouer. Donc, c'est pour ça que c'est à nous de jouer. Parce que nous, là, nous n'avons pas ces restrictions-là. Et nous avons la chance d'être à l'étranger, donc on peut organiser tellement de choses. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de prendre un autre chemin. Le chemin le plus radical possible. Parce que ce régime-là, on a décidé d'utiliser le même langage qu'il utilise. Revenons maintenant à ce qui s'est passé au Nozo. Une fois de plus, je présente mes condoléances aux familles. Je vais dire ici, là, beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi j'indexe Samuel Eto'o. Je vais toujours le dire parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. J'ai vu mes frères de l'Afrique de l'Ouest qui m'ont posé des questions, même en inbox, que mais... pourquoi tu dis que Samuel Eto'o est coupable? Pourquoi Samuel? Je vais vous rappeler que Samuel Eto'o est ambassadeur de l'UNICEF. Ça, c'est d'abord un rappel que je vais vous faire. Il est ambassadeur de l'UNICEF. Ou alors, il a été... Bon, quand tu es ambassadeur d'une organisation comme ça, c'est à vie, je crois. Tu es un ambassadeur de l'UNICEF. Sachez bien qu'un ambassadeur de l'UNICEF travaille pour le bien-être des enfants. Excusez-moi. Hein. Samuel Eto'o est ambassadeur de l'UNICEF. Au Cameroun, les enfants se font tuer presque tous les jours maintenant. Les enfants se font tuer presque tous les jours. Dans des conditions horribles. Depuis 5 ans que la crise a commencé au nord-ouest et au sud-ouest, on a des milliers de morts, des centaines de villages rasés de la surface de la terre,
des dizaines de milliers de réfugiés dans les pays voisins et des centaines de milliers de déplacés internes. Des gens dans leur pays sont perdus. Parmi ces gens, en grande majorité, des femmes et des enfants. Comme si ça ne suffisait pas, des enfants se font assassiner. En Gabou, à Kumba, à Boya, et Kondo Titi, un peu de partout, les enfants se font assassiner. Samuel Eto'o est un homme très important au Cameroun. Il a une voix qui porte. D'ailleurs, on le voit dans des réunions avec les Vladimir Poutine, avec les milliardaires de cette planète. Ça veut dire que un seul mot de Samuel Eto'o peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire un seul mot. Il suffit juste que Samuel Eto'o se place comme ça là et dit que non, il faut qu'on arrête la guerre dans notre pays. Trop, c'est trop. Arrêtez cette guerre. On ne lui dit pas de dire que Biamos go, parce qu'on sait qu'il est un sardinat. Non. Que Samuel Eto'o dise seulement stop à la guerre. Parce que, rappelez-vous au Nigeria, je vous prends un petit exemple. L'année passée, je crois, il y a eu des manifestations parce qu'il y a eu une répression brutale de la police envers certains manifestants. Toutes les stars du Nigeria sont sorties. Ils sont allés dans les rues. Ils ont manifesté. Même les Peace Square. Les gars étaient dans les rues. Stop police répression. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien parlé. C'est, les gars étaient dans les rues. C'est des stars internationales au même titre que Samuel Eto'o. Il y a un footballeur. Après un match, il a pris son téléphone en plein stade. En plein stade, un footballeur nigérien en plein stade, il a pris son téléphone, il a enregistré la vidéo en plein stade. Quand le match est fini, il a dit stop répression. Il a fait une vidéo pour condamner le comportement brutal de la police nigériane. Un footballeur de renommée comme Samuel Eto'o, il a fait. Plusieurs stars du Nigeria, les Davido que vous connaissez là, ce sont des milliardaires. Ils ont fait des vidéos. Ils sont partis manifester avec le peuple parce que c'est le peuple qui les porte. Mais Samuel Eto'o, lui, croit que ce sont les ministres là qui remplissent souvent les stades quand ils jouent. Ou alors ce sont les ministres là qui sont devant les télévisions partout quand ils jouent. Ou alors quand ils jouaient. Ce sont rien que les ministres de Biya qui étaient ses supporters. Il oublie que c'est le peuple camerounais. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit que si on vole ses élections à la FECAFOOT, il va partir prendre le peuple camerounais pour aller réclamer sa victoire. Donc à ce moment-là, il connaît que le peuple existe. Mais là, c'est pour ses intérêts personnels. Pendant que le peuple là se fait tuer, il ne dit rien. Tu as vu un petit qui courait derrière sa voiture pour demander 500 francs pour manger. C'est pour vous dire à quel niveau le peuple camerounais est dans une souffrance absolue. Samuel Eto'o ne dit rien. La guerre est en train de faire des ravages. Oui, la guerre fait des ravages. J'interpelle ici encore mes frères de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes très forts dans la mobilisation et dans les affaires politiques de l'Afrique. Dénoncez ça, s'il vous plaît. Parce que chez nous, au Cameroun, ça nous dépasse. 5 ans de guerre. Des milliers de morts. Aucune star camerounaise n'en parle. Bon, quand je dis star, il parle des superstars. Il ne faut pas que les autres se simplifient aussi, ceux qui en ont parlé. Shalom Dipanda, par exemple, en a parlé. Nous avons des Valsero qui en ont parlé. Willy de Paris et certains autres stars, certains autres artistes qui en ont parlé, mais ça ne suffit pas. Un Samuel Eto'o comme ça, là, sa voix porte plus que toutes les personnes que j'ai citées là. Samuel Eto'o est capable de dire un mot qui peut changer la donne. Samuel Eto'o est capable d'utiliser son carnet d'adresse pour faire stopper cette guerre. Samuel Eto'o est capable de le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que l'huile et l'eau de la sardine ont déjà envahi tout son cerveau. Et notre rôle, votre rôle, ce sera de purifier son cerveau. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le Cameroun. Mais il est du mauvais côté. Il est du mauvais côté, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne devait pas être là en train de demander aux Camerounais de voter pour Biya qui a déjà fait 40 ans au pouvoir. Il parle de Biya en tant qu'homme de paix et pourtant Biya est en train de faire la guerre au peuple camerounais parce que le peuple camerounais a revendiqué des meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, on parle de sécession alors que si à l'époque, le régime Biya avait écouté les revendications des avocats, des enseignants, on n'en serait pas là.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bastonné les avocats, ils ont bastonné les enseignants, ils ont bastonné les étudiants. Et quand le peuple est sorti pour dire que, mais comment tu fais ça? Ils ont commencé à tirer, à tuer. Voilà les réalités au Cameroun. Voilà pourquoi je m'en prends à Samuel Eto'o. Voilà pourquoi je l'indexe. Parce qu'une grande popularité incombe des grandes responsabilités. Même si les adultes se font tuer, tu ne parles pas. Les Amba Boys se font tuer, non, tranquille. Les militaires se font tuer, non, il n'y a pas de problème. Mais quand les enfants se font tuer dans un pays, on doit voir toutes les voix qui portent dans ce pays-là se lever. Toutes les voix qui portent dans ce pays-là doivent se lever pour dire qu'arrêter le massacre des enfants. Les enfants sont des victimes collatérales. Les enfants sont des victimes de ce conflit qui n'aurait normalement pas dû avoir lieu. Mais non, qu'est-ce que le Toto est en train de faire? Oui, Samuel Eto'o, tu es un Toto. Tant que tu ne te ressaisis pas, tu es un Toto. J'avais dit ici que tu es bête et c'est vrai, tu es archi bête. Est-ce que tu sais que parler de cette histoire, de cette guerre qui se passe dans ton pays peut te faire gagner même la FECAFOOT là? Tu ne sais pas. Tu es du mauvais côté du peuple. Tu es du très mauvais côté de l'histoire et tu risques de mal finir. De très mal finir même parce que beaucoup de Camerounais sont mécontents de toi. Voilà pourquoi je dis tu es coupable. Parce que tu as la possibilité de faire quelque chose mais tu ne le fais pas. Parce que tu penses à tes intérêts égoïstes et personnels. Parce que tu t'es présenté devant le peuple camerounais meurtri par le régime Biya comme étant un soutien inconditionnel de Paul Biya. Comment un jeune comme toi peut soutenir un vieux papa de plus de 80 ans? Hein? En 2018, tu as dit que tu soutiens la candidature de Biya. Pourtant, tu savais très bien que quelqu'un qui a la double nationalité comme toi ne peut pas voter au Cameroun selon les lois camerounaises. Samuel Eto'o, montre-nous ta carte électorale. Ça veut dire que tu as fait la campagne de Paul Biya. Aujourd'hui, tu es en train de menacer de marcher, de brûler de ceci si on vole ton élection à la FECAFOOT. Tu vois que tout ce que tu fais, c'est pour tes intérêts égoïste. Tu es en train de faire la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations malgré les détournements des milliards qu'il y a derrière. Tu es en train de faire la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations malgré la guerre dans ton pays. Tu es en train de faire la campagne de quelque chose qui va faire jouir les Camerounais pendant un mois et après, pam, les problèmes, les vrais problèmes de la vie quotidienne vont reprendre. Tu es en train de faire la campagne d'un football qui va se jouer sur le sang des enfants qui sont morts aujourd'hui, sur le sang des enfants qui sont morts depuis le début de cette crise, sur le sang de toutes les vies qui sont perdues là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest. Tu es en train de vouloir, tu es en train de faire la campagne de la CAN dans un pays où ces enfants sont massacrés par un régime illégitime, un régime tyrannique, un régime sanguinaire que tu soutiens. Parce que quand Biya tue les enfants comme ça là, et toi tu soutiens Biya, ça veut dire que tu es complice, ça veut dire que tu es coupable, parce que tu soutiens le tyran. Oui, mes frères africains, oui, Samuel Eto'o soutient Paul Biya, l'un des plus grands tyrans. Samuel Eto'o soutient Paul Biya, l'un des plus grands élèves de la France-Afrique, l'un des plus vieux dictateurs qui existent encore sur cette planète et en Afrique, oui. Samuel Eto'o a soutenu ouvertement Paul Biya pendant les élections et jusqu'aujourd'hui, il continue de soutenir Biya et il le dit ouvertement. D'ailleurs, dans son programme qu'il a présenté au monde pour la FECAFOOT, il parle d'implémenter le programme de Paul Biya. Oui, il cite Paul Biya comme un exemple dans son programme. Allez lire, c'est pas moi qui dis. Donc, il est un soutien inconditionnel de Paul Biya. Et nous savons très bien que Paul Biya a détruit le Cameroun. Paul Biya a détruit le Cameroun et Paul Biya soutient la France parce que Paul Biya est un valet de la France. S'il y a l'un des plus grands Françafricains en Afrique, c'est Paul Biya. S'il y a le patron des loges maçonniques en Afrique, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui parraine tous les petits dictateurs de l'Afrique. C'est Paul Biya qui parraine tous les petits dictateurs de l'Afrique. C'est lui le parrain d'Alim Bongo, le parrain de tous les dictateurs que vous connaissez. C'est Paul Biya. Paul Biya est le plus grand élève de la France-Afrique.
C'est à cause des hommes comme Biya que les Français ne peuvent pas quitter le territoire africain. Et vous le savez, Paul Biya l'a dit à maintes fois qu'il est le meilleur élève de la France. D'ailleurs, récemment, il a renouvelé les accords de partenariat économique et les accords de défense avec la France. C'est la France qui continue de soutenir Paul Biya. D'ailleurs, le Cameroun est endetté à plus de 900 milliards. En fait, le Cameroun doit plus de 900 milliards et poussière à la France. Oui, plus de 900. Et nous sommes le premier pays le plus endetté envers la France. Et la France continue de lui donner de l'argent. Malgré les détournements de l'argent du Covid, malgré les détournements d'ici, détournements de là, la France continue de le soutenir. Les armements de Biya, c'est qui? C'est la France qui soutient même son armée. Et quand vous voyez Samuel Eto'o défendre un homme comme Paul Biya, vous pensez que Samuel Eto'o est panafricain? Parce qu'un panafricain ne peut pas défendre quelqu'un qui est contre le panafricanisme. Samuel Eto'o est un soutien inconditionnel de Paul Biya. Ça veut dire que Samuel Eto'o est un anti-panafricain. Voilà pourquoi moi je dis, même mes frères ivoiriens, tous les panafricains de la Côte d'Ivoire, tous les panafricains du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, partout, quand Samuel Eto'o arrive chez vous, il faut le huer. Parce que nous ne pouvons pas lutter pour le panafricanisme et soutenir les hommes comme Samuel Eto'o qui soutiennent les dictateurs anti-panafricains. Paul Biya a renouvelé les accords avec la France. C'est la France qui a la priorité sur tout au Cameroun. Le port, la principale entrée du Cameroun est gérée par Bolloré. La Camaraille, ça appartient à Bolloré. Donc imaginez la suite. Vous allez voir que même la communication appartient à Bolloré. Bolloré occupe tous les secteurs stratégiques au Cameroun. C'est la France qui arme les Cameroun, le régime Biya. C'est la France qui soutient l'armée de Biya. Vous comprenez? Vous comprenez donc? Donc, voilà pourquoi je dis et j'interpelle encore mes frères de l'Afrique de l'Ouest sur le positionnement de Samuel Eto'o. Et j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que je m'en prends à lui. Je m'en prends à lui parce que Samuel Eto'o est contre le développement de l'Afrique. Samuel Eto'o est contre l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce que les dictateurs africains empêchent l'émancipation de la jeunesse africaine. Et donc quand Samuel Eto'o, avec toute sa notoriété, se permet de soutenir un dictateur vieux comme Paul Biya, ça veut dire que Samuel Eto'o est contre l'émancipation de la jeunesse africaine. Il ne fait pas seulement du mal aux Camerounais, il fait du mal aux jeunes Africains. Les jeunes Africains qui veulent s'émanciper de la France, qui est un peu de partout dans nos affaires. La France qui aide à maintenir les dictateurs sur nos différents territoires. Quand Samuel Eto'o commence à soutenir, il soutient ces gens mordicus et il ne se cache pas. Ça veut dire que Samuel Eto'o est contre la jeunesse panafricaine. Et donc tout jeune panafricaniste doit huer Samuel Eto'o. On doit le huer. On tue dans son pays, il ne dit rien parce que c'est son ami Paul Biya qui tue. C'est son ami qui tue. Paul Biya, c'est son ami. Il tue. Il soutient Paul Biya dans les tueries là. Il dit que c'est Paul Biya qui est bien pour le Cameroun. Alors que nous savons que Paul Biya est responsable des milliers de morts au Cameroun. Paul Biya est en train de faire la guerre au peuple anglophone au Cameroun. Voilà la réalité dans notre pays. Je vais demander aux administrateurs de bloquer toutes les personnes qui font des commentaires stupides. D'ailleurs, je vais publier une charte sur ma page dorénavant. Ici, c'est argument. Tu dis un mot déplacé, on te bloque. Tu es hors sujet, on te bloque. Si tu ne... C'est-à-dire, je vais m'arriver à un niveau où si tu écris même mal, on te bloque aussi. On ne veut pas les injures ici. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu dois être capable d'argumenter. D'ailleurs, je vais afficher le numéro ici et chacun pourra appeler pour dire ce qu'il pense. Le régime Biya est un régime dictatorial et sanguinaire. Continuez le partage, les gars. Partagez. On veut au moins 2000 partages ce soir.
Le régime Biya est un régime dictatorial et sanguinaire. C'est un régime qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens en sa possession pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi nous devons utiliser tous les moyens en notre possession pour le chasser du pouvoir. Regardez un pays comme ça où quelqu'un comme Ernest Obama dit à la télévision que parce qu'il s'appelle Nana, on a dit qu'il est bamiléka, on l'a recalé dans un concours. Hein? Parce qu'il s'appelle Nana, on croyait qu'il était bamiléka 100%, on l'a recalé dans un concours. Parce qu'il a des origines bamiléka. C'est-à-dire qu'il a les origines bamiléka, on le recale dans un concours national. Vous voyez jusqu'où Paul Biya a placé notre pays. Et voilà les gens que Samuel Eto'o soutient. Des tribalistes notoires. Des gens qui ont financé près de 4 milliards pour l'ouverture d'une télévision. Alors que nous avons une télévision nationale avec des vieux appareils. Dites-moi un peu, on prend 4 milliards de l'État du Cameroun pour financer une télévision. Que la télévision là va apporter quoi comme une plus-value à notre pays? Est-ce que c'est les télévisions qui manquent? On a Equinox qui est la télévision la plus suivie chez nous, là, même au Cameroun et en Afrique centrale, et peut-être même en Afrique, en diaspora, partout. Qui suit Vision 4? Pour que le gouvernement donne plus de 4 milliards pour la mise en place de cette chaîne de télé, qui va apporter quoi? 4 milliards, là, ça pouvait ouvrir une usine de fabrique de quelque chose. Ou alors même une usine de montage de quelque chose. Et ça devait donner des emplois à des centaines de Camerounais, voire des milliers de Camerounais, non. Il faut soutenir le frère du village. Il faut soutenir le frère du village. On lui donne 4 milliards de francs. Oh, pour ouvrir l'université, si, oh, pour faire ceci, oh, pour faire cela. Alors qu'il manque même les places assises dans les deux principales universités du Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Il manque les places assises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banques. Quand tu arrives à l'amphithéâtre dans les universités, là, c'est le mamie pi. Les gens s'asseyent sur les gens. On ne peut pas créer des conditions favorables aux étudiants. Mais on prend 4 de nos milliards, on donne à un farfelu. Et voilà ça. La télévision là, a été financée par l'argent du contribuable. Hein. Il décide de ça quand il veut et comme il veut. Alors que normalement, la loi dit que quand l'État te finance déjà, tu es un partenaire de l'État. Donc, tu dois rendre compte à l'État. Tout ce que tu fais là-bas, tu dois rendre compte à l'État. Mais non, Amougou Belinga, il signe les décrets à Vision 4 comme bon lui semble. Il dit que bon, toi tu es renvoyé. Bon, aujourd'hui la personne ne travaille. Hein. Je vais me marier pendant 4 jours. Alors qu'on a financé ta télévision à 4 milliards. Le groupe, l'anecdote là, on a financé ça à 4 milliards à l'État. Et tu te permets de fermer ça pendant 4 jours parce que tu veux te marier. L'argent du contribuable dans le Cameroun. Vous voyez à quel niveau ces gens jouissent. Et puis tu vois Motazé, Laurent Esso, tous ces amis là. Les gars sont au mariage. Donc, la République ne fonctionne pas. Quelqu'un a besoin de signer un document au ministère. Il faut que c'est le ministre qui signe. Le ministre n'est pas dans son bureau parce qu'il est au mariage d'Amougou Belinga. On a vu au moins une quinzaine de ministres au mariage d'Amougou Belinga en plein jour. Les ministres là n'ont pas de travail. Dans notre pays, ils n'ont pas de travail. Tu vas voir Motazé, Laurent Esso, et tous ces gens, cette bande de connards là. Les gars sont au mariage d'Amougou Belinga pendant 4 jours. 4 jours. Les ministres, ils sont payés par le contribuable camerounais. Ils sont payés pour faire un travail. Hein. Mais non, ils sont pas à leur poste. À des heures de travail, ils ne sont pas à leur poste. Ils sont au mariage. Personne n'est là pour les sanctionner. Personne n'est là pour les sanctionner. Vous voyez comment la République là fonctionne? Personne n'est là pour les sanctionner. Les gars abandonnent leur poste ministériel, ils s'en vont. Et pourtant, il y a beaucoup de dossiers sur leur table. Mais les gars s'en vont au mariage d'Amougou Belinga. Quand même, c'est quand même Amougou Belinga, c'est lui qui blanchit leur argent. Donc les gars doivent l'honorer de leur présence. Hein? Vous voyez un peu, c'est une affaire d'amis. En fait, la République fonctionne une bande de petits copains. Vous voyez un peu le genre. Voilà les gens que Samuel Eto'o soutient. Les gens qui sont là, tranquilles, ils vivent la vie, ils mangent l'argent du Cameroun. Pendant que de l'autre côté, ils sont en train de tuer les jeunes Camerounais. Vous voyez? Voilà comment notre pays fonctionne. Voilà pourquoi j'accuse Samuel Eto'o. Parce que son silence le rend complice. Oui, Samuel Eto'o est complice du massacre des enfants qu'il y a eu aujourd'hui. Continuez le partage, les gars. Je mets le numéro auquel vous pouvez appeler.
Le numéro se trouve déjà sur l'entête du direct, mais je vais encore essayer de mettre le numéro ici pour que vous puissiez appeler tranquillement. Que chacun dise un mot. Plus, plus 44, 7, 4, 2, 4, virgule, 3, 2, 5, 6, virgule, 5, 2, pioup, envoyé, voilà. Maintenant, j'épingle, épingler le commentaire, voilà. Donc, voilà le numéro. Vous pouvez appeler pour dire un mot. Parce que parfois, trop parler, c'est maladie. Je n'aime plus faire le monologue. Que chacun dise un mot. Nous devons sauver notre pays. C'est notre responsabilité. Arrêtons de compter sur les gens. Nous ne sommes pas petits pour sauver notre pays. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Arrêtons de compter. Comme Dette Coloniale disait, quelqu'un t'envoie à la rivière pour puiser l'eau. Tu arrives à la rivière, tu puises l'eau, tu laisses la bassine d'eau là-bas, tu cours, tu viens encore à la maison l'appeler de venir t'aider à la rivière pour te charger. C'est-à-dire, quelqu'un à la maison, il te dit que voilà la rivière, va me puiser l'eau s'il te plaît. Tu pars à la rivière, tu pars loin à la rivière, tu pars, tu puises l'eau, tu remplis le seau. Après, tu laisses le seau avec l'eau là-bas. Tu reviens à la maison voir la personne qui t'a envoyé pour dire que, bon, est-ce qu'on peut aller à la rivière? Tu me charges. Vous voyez un peu, c'est ça les Camerounais. On est en train de vous montrer le chemin. On vous montre le chemin, on vous dit que voici le chemin pour prendre. Mais non, vous vous cachez derrière la personne, vous dites non. Non, nous on attend seulement la personne, et on attend seulement la personne, on attend seulement la personne. Voilà les réalités. Excusez-moi, il y a les gens de YouTube qui demandent que j'épingle le commentaire. Je vais épingler le commentaire. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Parlez fort, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Et je ne sais pas si vous m'écoutez maintenant. Oui, on vous écoute bien. D'accord. Bonsoir, je salue le peuple camerounais. Je voudrais juste, vous êtes en train de parler des grands footballeurs du Cameroun et des grands musiciens qui sont tous en train de manger dans la main du régime et ils se comportent d'une manière. Ils ne voient pas l'exemple des Nigériens, par exemple. Ils ne savent pas. Il faut voir l'exemple. Par exemple, Fela Ramson Kuti, ou Fela Nicolas Kuti, cet homme, il n'est même pas sorti de son pays comme Balzero a fait. Balzero est parti aujourd'hui en France. Il est resté au Nigeria. Je ne sais pas combien de fois. Il est allé en prison pour libérer son peuple. On l'a bastonné, on l'a maltraité et il a été tué à cause de son peuple et dans son pays et il n'est allé nulle part. Il faut qu'on voie l'exemple à partir de ces gens. Et je voudrais dire, Marx, cette idée que tu es en train de donner aux Camerounais, c'est une très bonne idée, mais il faut que les Camerounais, je vais pointer du doigt ici aux traîtres de la jeunesse camerounaise, ces vieux, les chefs de quartier. Les chefs du village, ce sont eux qui trahissent le Cameroun. Toute révolte que les Camerounais vont faire, s'ils s'organisent bien, il y a des gens dans les quartiers qui ne doivent pas être au courant. Ça doit être un grand secret parce qu'on a des traîtres dans le Cameroun. Je pointe du doigt aux chefs de quartier. Hein? Les chefs de quartier, c'est des traîtres. Les chefs de village, c'est des grands traîtres. Ils sont déjà achetés par le gouvernement. Et tout ce qu'on va vouloir faire dans ce pays... Si on ne fait pas, on fait pas de ça un grand secret, hein, que ces chefs de quartier ne sont pas au courant et les chefs de village ne sont pas au courant, on peut réussir à faire quelque chose de grand. Du moment où on met ces gens, on laisse, il y a des fuites, c'est fini. On ne va jamais rien réussir. On ne va pas sortir dans ces rues. Pour sortir dans ces rues, il faut que ça soit un grand secret. Il faut que ça soit fait dans le secret. Je dis déjà ça aux jeunes Camerounais, au peuple Camerounais. Faites attention à vos chefs de quartier. Et à vos chefs du village. C'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, on a des appelants venant d'un autre pays en Afrique que je vais rapidement relancer. Je vais relancer parce que la personne a insisté. Donc, j'espère que la personne va décrocher. Continuez le partage, les gars. Il faut qu'on partage encore massivement. Partageons seulement.
Oui, allô, vous êtes bien chez Max Senior officiel, on vous écoute en 2 minutes. Oui, Max, bonsoir mon frère. Bonsoir. Et que Dieu te bénisse vraiment pour ce que tu fais. Merci. Ouais, mon frère, je suis ton frère camerounais, c'est vrai, je suis aussi à l'étranger comme toi. C'est pas la peine que je me présente. Mais D'accord. vraiment, je suis vraiment très attentivement tout est direct parce que tout ce que tu dis est très pertinent. Surtout à propos de Samuel et tout. Parce que vraiment, c'est un frère, nous l'aimons bien, mais il est là vraiment la personne qui a le flambeau en main. C'est lui qui décide quand est-ce que ce feu peut s'éteindre s'il le veut. Vraiment, de ce côté-là, je suis très d'accord avec toi. Et en qualité d'ambassadeur de l'UNICEF qu'il soit, il est capable de poser sa main n'importe où dans le monde entier. Et cette guerre s'arrête quand il veut. Alors vraiment, tu as raison de le traiter de tout ce que tu le traites, parce que réellement, aux yeux de ceux qui ne savent pas, c'est un con, pour ne même pas dire un salaud. Il est quelqu'un qui peut décider, mais je me pose la question à savoir quelle est la gloire qu'il recherche encore. Il a tout ce qu'il faut. Il a l'argent, il a tout ce qu'il peut avoir dans sa vie. Pourquoi n'essaye-t-il pas de rendre son pays? Prenons le cas sur Weah, George Weah du Libéria, Ouais. qui après son succès footballistique, il est devenu président de son pays parce qu'il a soutenu le peuple et le peuple l'a Et choisi. le peuple l'a choisi. Samuel Ouais. Eto'o peut être président du Cameroun, pourquoi pas? Mais étant donné déjà qu'il ne se bat pas pour le Cameroun, il n'est pas patriote à mon avis. Samuel est honnête, du tout pas patriote. Tout ce qu'il cherche à faire, les ministres. Par contre, la population, le bas peuple doit souffrir. Donc, il veut toujours qu'on vienne vers lui demander 500 francs, 1000 francs pour manger un bout de pain. Pourtant, il peut donner mieux à la population. Parce que réellement, ce qu'il fait au Cameroun, c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce que Samuel Eto'o fait est vraiment très néant de sa personne. Mais ils vont comprendre. C'est une personnalité que les Camerounais ne respectent pas parce qu'on ne connaît pas la valeur qu'il a au niveau international. Samuel Eto'o entre dans toutes les présidences et il est reçu par les chefs d'État. Mais au Cameroun, il essaie, je ne sais pas si c'est un flou, si c'est un brouillard, vraiment, je ne sais pas, mon frère. C'est dégueulasse pour lui. Donc, si on pouvait le laver, si les mots même que tu utilises pour lui sont un peu légers, il faut trouver les mots un peu plus sévères pour lui parce que vraiment, il ne nous donne pas le courage, il ne nous remet pas la fierté d'être Camerounais. Nous qui l'avons supporté, on a dormi, on a veillé dans les 3 heures de temps pour suivre les matchs de Samuel Eto'o quand il jouait pour le Cameroun. Aujourd'hui, il est incapable de rendre l'ascenseur à cette jeunesse qu'il a soutenue. Mais vraiment, c'est touchant, mon frère, c'est touchant. Ok, merci beaucoup mon frère pour ton intervention. J'espère que le message va lui arriver. Je veux que beaucoup d'Africains appellent ici pour dire ce qu'ils pensent de Samuel Eto'o. Merci beaucoup mon frère, bonne soirée à toi. Merci, on continue ensemble. D'accord. Allô? Oui, allô, on vous écoute en 2 minutes. Oui, c'est Daniel ici, ce soir. Ah, mon frère Daniel, comment tu vas? Ça va, ça va. Ok, super de t'entendre. Alors, on t'écoute, Daniel. Oui, attends, s'il te plaît, Oui, attends, s'il te plaît. baisse le volume, parle avec moi directement. Donc, baisse tout le volume de l'autre côté du C'est direct. ça que je suis en train d'essayer de faire. Hein. Là, c'est bon, là. Oui, vas-y, je t'écoute. Si tu ne baisses pas le volume, tu vas encore te réécouter là-bas. C'est pas bon. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute Oui, c'est ici, on ça. t'écoute. Donc, je disais que, toi, tu sais que juin, août, on avait commencé à manifester devant l'ambassade du Cameroun. Le fait que Samuel Eto'o avait porté soutien à Paul Biya. Oui. On avait manifesté contre ce soutien à Paul Biya. On t'écoute ici, on t'écoute. Mais. Il faut baisser tout le volume de l'autre côté, Daniel, sinon tu ne peux pas parler. Il Oui, faut. j'ai déjà baissé ça. Bon, ouais, c'est bon là. Je Oui. baisse ma tête, ça revient. Oui, Donc, vas-y. je disais donc que moi, par rapport à ça, j'ai fait beaucoup de recherches pour voir un peu comment la personnalité d'un pays peut soutenir la population. Une personnalité d'un pays soutient la population.
faut que cette population-là se mobilise. C'est-à-dire qu'une personnalité ne peut pas se mettre devant face à un régime dictatorial, face à un régime de brutalité, pour commencer à s'opposer à ce régime-là. Il faut que la population, le peuple, se mette d'abord devant, se mobilise. Et là, maintenant, vous allez donc voir les personnalités de la société civile, les statuts ça, de ces pays-là, commencer à se mobiliser aussi, à soutenir le peuple. Par exemple, ce qui s'est passé au Nigeria, avec l'État du Nigeria, ce ne sont pas les États du Nigeria qui ont commencé à manifester, ce sont les Nigériens qui ont commencé à manifester ici en Angleterre, à manifester à Lagos, à manifester partout. Et c'est là où on a commencé à voir les stars nigériennes, donc j'oublie les noms, qui ont commencé à sortir, à manifester avec la population. C'est exactement de ça que je suis en train de parler, Daniel. Puisqu'on est en train de parler là de la crise anglophone, les anglophones sont sortis par dizaines de milliers. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu la guerre. Qu'est-ce que Samuel Eto'o attend pour dire mot? Parce que le peuple est sorti dans les zones anglophones, tu en sais même peut-être plus que moi sur ce problème-là. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que Eto'o, il ne dit rien, il est toujours là en train de supporter le régime Biya. Le problème avec la crise anglophone est différent. Parce que la crise anglophone, si on fait un sondage, c'est-à-dire qu'on mélange les Camerounais, c'est-à-dire que l'ensemble des Camerounais, soit anglophones ou francophones, vous allez voir que la plupart des Camerounais sont contre la séparation. La plupart des Camerounais sont contre la séparation. C'est-à-dire que dès que tu te positionnes par rapport à la séparation, une bonne partie des Camerounais sont pour cette guerre. C'est là où il faut qu'on fasse cette nuance-là. Parce que moi, j'ai un peu d'étudier un peu cette chose-là. Mais lorsqu'on se positionne du côté anglophone, la plupart des anglophones, à l'heure actuelle, sont déjà pour la séparation. C'est-à-dire que c'est avant, quand ça commençait, que la majorité des anglophones étaient pour la fédération. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe là-bas, la majorité est déjà pour la séparation. Mais du côté francophone, la majorité est contre la séparation. Les francophones peuvent déjà se positionner pour la fédération, mais contre la séparation. Ça fait donc qu'un homme politique, ou bien star, comme Samuel Eto'o, il a du mal à se positionner sur cette crise-là, parce que c'est une crise qui concerne concerne la nation, qui concerne l'intégrité du territoire. Justement, Daniel, donc, l'opinion politique à ce niveau-là, tu vois un peu, oui, n'a vraiment pas sa place. C'est-à-dire, tout ce qu'on demande à Eto'o, n'est-ce pas? C'est de s'indigner contre le massacre des enfants. C'est de s'indigner contre la guerre, tout simplement, sans donner son opinion sur la séparation ou la non-séparation ou quoi. Non. Un citoyen, aussi porteur que lui, doit être capable de s'indigner quand il y a des enfants qui sont tués, ne serait-ce que les enfants. Il doit dire non, arrêtez la guerre, dialoguer, c'est tout. Mais il ne le fait pas. Et au contraire, le gars préfère se pavaner à gauche, à droite, avec Paul Biya. Ça veut dire que lui, il apporte son soutien à Paul Biya. Tout simplement, c'est ce que nous, on comprend. Bon, le soutien à Paul Biya, tout ça, c'est stratégique. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que là où tout se joue, c'est le peuple. Je prends un exemple, comme aujourd'hui. On a vu Maurice Kamto avec la dame du parti... UDC. On dit souvent que le parti Bamoun, on les a vus. Mais tu as vu comment ils sont faibles? Ils sont faibles parce que politiquement, ils n'ont pas de poids. Et ils sont faibles pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le peuple derrière. Il n'y a pas le peuple derrière. Il n'y a pas la population derrière. Donc c'est là où le problème qu'on a au Cameroun. Au Cameroun, les hommes politiques ou bien les stars camerounaises n'arrivent pas encore à mobiliser. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec le jeune Ousmane Sonko. On a vu comment ils mobilisent. Voilà là où il faut qu'il y ait un travail. Et ce travail-là doit se faire en amont avec les activistes et avec les hommes politiques, les activistes de leur côté, les hommes politiques de leur côté, pour mobiliser. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Voilà, d'accord, on a compris, on a écouté l'opinion de Daniel. Maintenant, on va essayer. Il y a un numéro du Cameroun qui insiste pour appeler. Non, je vais d'abord prendre le numéro du Cameroun et puis je te prends à toi après.
Il a trop insisté, le numéro là. Donc, je vais aussi prendre ce numéro. Continuez le partage, les gars. Chacun va dire ici ce qu'il reproche. Ce que Samuel Eto'o, tout ça. Chacun va dire bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bien chez Marseille Officiel. On vous écoute. Je voudrais participer au direct. Oui, tu es en direct, mon frère, tu es en direct, on t'écoute, le peuple t'écoute. C'est sèche. Mon problème n'est pas que Eto'o soit président de l'Africanophobie. Déjà, Eto'o n'a jamais aimé les Camerounais. Ça, c'est clair. Eto'o était là lorsque la femme de Marc Vivien Foué, lorsque Marc Vivien Foué peut demander à Eto'o ce qu'il a fait pour la femme de Marc Vivien Foué après sa mort. D'abord de un. De deux, tu ne peux pas vouloir développer le football dans un pays parce que tu te soucies beaucoup des footballeurs et on est en train de tuer les gens dans ton pays. Cela ne peut pas te mouvoir. Si tu ne peux pas te mouvoir face à la mort, tu ne peux pas te mouvoir face à la misère. C'est impossible. Exactement. Et ce qui est encore très gênant, c'est nos amis qui sont soit de la résistance, soit de la Renaissance, et qui rôdent autour de la Renaissance, mais qui se disent qu'ils sont les amis d'Eto'o ou qui soutiennent la candidature d'Eto'o. Quand tu leur parles, ils te disent que la candidature d'Eto'o est stratégique, ceci, c'est pour la double nationalité. La double nationalité fera l'objet d'un autre débat. Ce qui est important maintenant, c'est que Eto'o se comporte comme un vrai leader qu'il veut être. Eto'o a la possibilité d'organiser une marche au Cameroun pour s'indigner contre les massacres qui se passent du côté du Nord-Ouest. Tant les militaires, les hommes en tenue qu'on tue, tant les populations, tant même la jeunesse du Nord-Ouest, parce que les gars qu'on tue, qu'on dit que c'est les ambassadeurs, c'est toujours nos frères. Oui. Donc, il peut organiser une marche. Et le peuple, tous ses supporters, tous ces gens-là qui viennent crier son nom, vont le suivre. Et je pense que cela aura l'écho. Ça n'aura pas l'écho politique. Ça sera politique, mais pas politique politicienne, mais politique humanitaire, dans le but de vouloir sauver des vies. Et c'est ce qu'on attend d'Eto'o. Même si demain, Eto'o est président de l'Africanophobie, je ne sais pas, c'est ce que je ne souhaite pas. Mais je dis, le jour que j'aurai l'occasion de le voir, même s'il est à 1000 mètres de moi, 1000 kilomètres, je vais crier qu'il comprenne que je n'ai jamais... D'ailleurs, je ne suis même pas avec lui d'abord. Il faudrait que les Camerounais comprennent que ce monsieur n'a jamais aimé le Cameroun. Quelqu'un qui aime le Cameroun réellement ne peut pas soutenir Paul Biya. Exact. Parce que lorsque tu dis que tu veux implémenter la politique du gouvernement, la politique du président Paul Biya, la politique du président Paul Biya, c'est l'échec des 40 ans de pouvoir. Exact. Tu veux implémenter 40 ans de pouvoir d'échec, comment? Merci, Serge, merci. Quelqu'un ne parvient pas à construire un stade pendant 40 ans au pouvoir et tu veux implémenter sa politique, comment? Et je vois les gens le soutenir, Mordicus, les intellectuels le soutenir, mais je me demande bien, est-ce qu'on est vraiment au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais pour que le Camerounais soit aussi lâche? Qu'est-ce qu'on nous a fait pour que nous ne parvenions plus à réfléchir? Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je prie tous les dieux pour que Eto'o, que sa candidature ne soit même pas acceptée derrière. D'accord. Pour venir au Cameroun, il demande un visa pour venir au Cameroun. Si tu demandes un visa pour venir dans ton pays, c'est que tu n'es pas de ce pays-là. C'est tout. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup et beaucoup de courage à toi. Allô? Allô? Baissez le volume de l'autre côté, s'il vous plaît. Allô? Oui, baissez le volume de l'autre côté, s'il vous plaît. Et rapprochez-vous de votre micro parce que vous êtes très loin du téléphone. Ok. C'est mieux là? Non, pas du tout. Allô? Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. On vous écoute en 2 minutes. Ok. D'accord. Je voudrais, avant de commencer, faire une petite rectification, s'il te plaît. Parce qu'il y a un auditeur qui a appelé là et qui a commencé à dire que
les Camerounais ne sont pas contre pour la séparation, alors que du côté anglophone, les anglophones sont pour la séparation. Les Camerounais, dans l'ensemble, voulaient une bonne gouvernance. C'est parce que ceux qui nous dirigent sont têtus et ne nous opposent que de la violence qu'ils ont adopté cette attitude. Et même les Camerounais aujourd'hui, si on leur demande, vous voulez la sécession, ils vont vous dire, on prendra même la sécession si ça peut permettre qu'on arrête de tuer les gens. Mais si on leur dit qu'on préfère vous donner une bonne gouvernance que de la sécession, mais on va l'accepter. Mais ceux qui sont en place là, ils n'ont qu'une seule idée en tête, s'imposer par la violence. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième remarque que je voudrais faire, il a pris le cas de Ousmane Sonko au Sénégal, mais il faut tout de suite dire que le Sénégal, ce n'est pas la même culture. Quand les gens sortent là-bas pour soutenir les politiciens, on ne tire pas sur eux. Et d'ailleurs, Macky Sall a reçu ces jeunes qui marchaient pour Ousmane Sonko. Donc c'est vous dire la différence qu'il y a entre ces deux. Nous sommes au stade où on ne nous permet même pas de sortir. Oui, le Sénégal est à la, je crois, à la 5e République, je ne sais pas trop. Hein. Le Sénégal a eu plusieurs présidents. Exactement, Marc. Donc, on ne peut pas dire que Maurice Kamto et madame, il y a la dame là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de soutien. C'est juste parce que le peuple est conscient que sortir, on ne leur permet même pas de se réunir. Combien de fois, si le peuple sort, on va nous mettre les mamies Ouattara dehors là, immédiatement et tout. Donc, ce n'est que ça. Et c'est là, à chaque fois que je dis, l'action que vous avez démarrée va débloquer. C'est comme une bouteille de champagne. Vous allez nous ouvrir cette bouteille de champagne et au moindre phénomène, les Camerounais seront dehors. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à cet appelant. Mais sinon, maintenant, pour revenir au sujet de ton live aujourd'hui, Max, il faut se dire la vérité. On dit la critique est facile, mais c'est l'art qui est difficile. Quand tu as commencé ce live, mais tu commençais à me demander pourquoi Marx perd du temps derrière cette histoire-là et tout, alors que nous avons beaucoup d'éléments de combat sur le plateau. Mais au fur et à mesure que tu déroulais, j'ai compris la portée de ce live. Et j'ai retenu deux choses pour notre pays. La première portée, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que tu as ressorti. C'est toujours quand les gens ont leur intérêt personnel qu'ils pensent au peuple camerounais. Exactement. Ce que Samuel et toi fait là, c'est exactement ce que Cabral Lidi avait fait en disant je vais monopoliser les bidons d'essence et tout parce qu'il voulait être député. Honorable, député. Quand il a fallu défendre le peuple camerounais, il est parti aux États-Unis. Donc voilà, c'est le premier aspect qui est sorti. Le deuxième aspect que tu as sorti, et ce n'est même pas que Cabral Lidi, aussi même Roger Mila. On est en train de tuer les Camerounais, mais Roger Mila veut seulement qu'on mette son nom sur le stade de Japoma. Voilà, les gens sont dans l'intérêt personnel. Jusqu'à ce qu'ils se fâchent même, ils se fâchent. Voilà. Donc c'est là où je dis, vraiment la portée de ce a relevé deux choses. C'est cette première chose qu'on ne pense au peuple camerounais que quand les gens ont leur intérêt. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu as vraiment ressorti dans ce live-là, c'est l'abandon du peuple camerounais. Les gens ne se rendent pas compte à quel point nous sommes abandonnés, au point où je vous dis, là où nous sommes là, nous n'avons pas le choix que de combattre, parce que personne ne viendra nous aider là où nous sommes là. Personne ne viendra nous aider là où nous sommes là, excusez-moi s'il vous plaît. Exactement, et c'est même la dernière, quand tu vas lire la dernière ligne de l'entête du direct, c'est la question que j'ai posée, jusqu'à quand? Que nous faut-il de plus pour comprendre que c'est à nous de jouer? C'est à nous de jouer. Là, je vous dis, le personnage central que tu as ciblé là, en parlant de Samuel Eto'o, c'est tous ceux dont la voix porte au Cameroun et en Afrique nous ont abandonnés. Regardez, Belle Joseph Antoine que vous voyez là, beaucoup de gens ne le savent pas, hein. C'est les anglophones qui ont sauvé Belle Joseph Antoine. C'était un délinquant. On l'a mis en prison à la prison de Boyala. Et c'est de là-bas qu'il a appris à être gardien de but. Les anglophones l'ont encadré. Sinon, c'était un perdu. Mais aujourd'hui, on tue les anglophones. Joseph Antoine Bell ne dit rien. Alors que tout le monde sait que Joseph Antoine Bell, c'est une grande voix. On lui demande, ce sont des sardinats, on leur demande, tu as vraiment bien dit, on ne leur demande pas d'abandonner leur champion. Mais au moins de s'insurger quand on est en train de tuer des enfants comme ça tous les jours dans notre pays. Ce n'est pas possible. Et quand on parle de tuer les enfants, on ne pense qu'à la mort physique. Mais je vous dis, Marseignan, oui, voit notre école, les journalistes camerounais disent que nos écoles sont devenues des Sodome et Gomorre. On viole nos enfants tous les jours dans nos écoles. Ce n'est pas acceptable, ça. Et ils ne disent rien.
Ils sont là, ils se baladent. Et ce n'est pas qu'au niveau camerounais. Prenons au niveau africain. Quand il y a quelque chose en Afrique, les Camerounais sont toujours les premiers à s'insurger. Regardez comment on avait pris le problème de Mwapo, comme si c'était, comme si nous étions tous des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on nous tue, les Ivoiriens ne disent rien. Hein? Si vous allez au Cameroun, ici, tu vois tous les enfants, on les appelle Sankara, Mandela et tout, parce que nous épousons toutes les causes africaines. Mais quand nous sommes frappés, comme nous sommes frappés en ce moment, tout le monde nous abandonne. L'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, personne, aucun président ne fait aucune déclaration, même pour dire à Paul Biya que arrête au moins de tuer les gens. Personne ne fait rien. On nous a abandonnés. D'ailleurs, on dit que la crise anglophone, c'est la crise la plus négligée du monde. Pourquoi on nous abandonne? Alors, si, d'accord, acceptons qu'on nous a abandonnés, mais nous n'allons pas nous abandonner nous-mêmes. Nous sommes obligés de combattre. Et on ne peut pas transmettre ce combat-là à l'autre génération parce que, j'ai dit, notre pays risque de disparaître. Donc, c'est vraiment les points que je voulais souligner parce que, comme je disais, la critique est facile, mais là, elle est difficile. J'ai vraiment failli commencer à être critiqué au début, mais en déroulant, j'ai dit non, ce truc-là a une très, très grande portée. Donc, je demande à toutes les grandes voix africaines, à toutes les grandes voix camerounaises, à toutes les grandes voix d'élever leur voix. On ne leur dit pas de ne pas supporter bien. Demandez à ce tueur-là d'arrêter de nous tuer. C'est tout. Au moins la moindre des choses. Voilà. Et s'ils le font, nous avons adopté une attitude, nous allons nous battre. On ne peut rien contre ces gens-là. C'est la guerre. C'est tout. On ne peut plus. Donc tous ces gens qui parlent de changement dans la paix, d'accord, allez-y. Mais nous avons dit, connaissant qui nous avons en face, nous n'avons pas d'autre option. Maintenant, je vais terminer avec quelques opportunités. Donc, on a Bali. Donc, on a voilà des gens qui sont là depuis des milliers d'années. On vient, on signe un faux document pour venir les exproprier. Je ne suis pas en train de dire que je supporte Elie Bilobeu il est un peu perdu, celui dans la lutte de sa vie. Le chien me dit, là, il y a des lois au Cameroun. Pour exproprier des gens, il faut d'abord les relocaliser, en plus les indemniser et s'assurer qu'ils se sont relogés avant de détruire. Et au Cameroun, c'est toujours le contraire, on commande à venir détruire les gens. Et dans ce cas-ci, on n'a même pas bien identifié les gens. Donc c'est une occasion, nous pouvons soutenir la population de Bali pour faire le saut à tout le désert qui va approcher ce secteur-là. Et ce n'est que le seul moyen pour que cette histoire se règle dans la légalité. D'accord. D'argent, on peut payer ces gens-là et leur prendre leur territoire pour faire ce qu'ils veulent avec. Non, il n'est pas question de venir les voler leur territoire gratuitement. Voilà, d'accord. Nous soutenons les mains. D'accord. Ok, d'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Voilà. Bon, les gars, on va essayer vraiment d'être... Excusez-moi, j'étais en même temps en train de lire des trucs. Non, c'est pas... N'appelez pas en vidéo, je vous en prie. Vous devez appeler en audio. On va essayer d'être un peu plus rapide en 2-2 minutes. En 2-2 minutes, quand on essaie, on appelle, on dit... Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Désolé, j'ai vu que vous avez insisté là, c'est pour ça que je vous rappelle. Si vous pouvez développer en 4 minutes maximum. Ok. Je m'appelle Bachirou. Je suis originaire de l'Adamawa, en Gaoundéré. Bachirou Mamouda. Ah, d'accord. Bonsoir, Bachirou. Bonsoir, mon frère. Alors, on t'écoute, Bachirou. Courage pour ce que tu fais. Sur le plan politique, toi et moi, nous ne voyons pas de... Les choses de la même façon. Mais pour le cas et tout, les Camerounais se trompent sur toute l'année. Et tout n'a plus l'argent comme les gens pensent. Bachirou. Il faut que tu baisses tout le volume du live de l'autre côté, n'est-ce pas? Et puis tu discutes seulement avec moi, tu vois un peu. Tu ne peux pas parler et suivre le live en même temps, il y aura un décalage. Et tu vas croire que tu ne parles pas, tu comprends un peu? Voilà, donc tu dois baisser tout le volume du live, tout le volume. Et puis tu parles, le peuple t'écoute, ils vont bien t'écouter. Quand tu vas finir, toi-même tu vas voir. Bonsoir, désolé,
Il faut baisser tout le volume, Bachirou. Baisse tout le volume. Ok, d'accord. Donc, on t'écoute en direct. Il y a, près, il y a 800 personnes qui sont connectées à t'écouter là. Ok, je disais que sur le plan politique, toi et moi, nous ne voyons pas dans la même direction. Oui. Mais sur le cas Eto, je suis 100% d'accord avec toi. Eto, ce que les Camerounais doivent savoir, moi j'analyse les choses de l'intérieur. Ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que Eto n'a plus l'argent comme on pense. Vous comprenez? Il vient à la FECAFOOT pour son intérêt personnel. Vous comprenez? Et il s'est entouré des gens. Vous me suivez? Oui, oui, on t'écoute parfaitement. Parle, parle, on t'écoute bien. Vas-y, entouré, tu es en direct. Il s'est entouré des gens qui insultaient les Camerounais. Voilà. Et Obama qui nous était, nous, les nordistes des moutons. Voilà. Tu sais quel problème j'avais eu avec son patron? Ah oui, c'est toi Bachirou qui avait témoigné contre Amougou Belinga. Effectivement. Ah oui, oui, bienvenue, bienvenue dans le live, mon frère, bienvenue, bienvenue. Je maîtrise les rouages de la politique du Cameroun. Oui, oui. Et c'est pour les gens, je ne dis pas que Eto est pauvre, vous comprenez? Oui. Mais il n'a pas, il n'a plus l'argent comme il avait avant. Mm-hmm. Et il vient à la compoute pour son intérêt personnel. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé avec l'organisation de la CAN où il a fait faire un faux discours au président, une fausse promesse, mm-hmm. où le président, la CAN aura lieu le jour dit. Mm-hmm. C'était toujours les magouilles de Eto et le président de la CAF. Mm. Il s'est entouré de gens qui traite qui, des tribalistes, des très grands tribalistes, qui traitent les anglophones des rats. Ernest Obama, il ne s'est pas excusé. Il est passé à Canal de l'autre jour, vous avez vu, il ne s'est pas excusé. Il insulte les nordistes des moutons. Vous voyez l'équipe qui l'entoure. Et il dit la même chose que c'est que les gens, c'est que les NS et autres combattaient. Quand le professeur Kamto disait que il insistait par rapport au hold-up et tout, oui. il dit carrément que je viendrai avec des gens déloger oui, celui qui sera élu. Oui, oui. Et donc, précisons qu'actuellement, il est candidat à la candidature. Il n'est pas encore candidat. C'est possible que son truc soit rejeté. Effectivement. Et l'autre, Tani, il s'appelle qui? Jean-Bruno Tagne. Voilà, son directeur de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il avait porté un livre où il critiquait et tout. Le pouvoir de l'argent, le positionnement. Tani a changé, il est devenu tout beau, il était assis derrière une voiture, il saluait les gens comme un président, et nous sommes ma vie, là, il monte, il commence à parler. Et tout. Voilà un traître qui insulte, il n'a laissé personne au Cameroun. Hein. Il n'a laissé personne. Vous savez ce que son patron a dit à l'ambassadeur du Cameroun à Bangui, mm-hmm. que vous, les gens de l'Ouest, vous êtes des pauvres. Effectivement. Non, c'est une bande de tribalistes qui veulent prendre la FECAFOOT. Quel est le projet de Eto? Il veut prendre la FECAFOOT pour de l'argent uniquement. C'est pas pour nous. C'est pas. Quand il était capitaine, il n'a pas créé quoi comme problème dans l'équipe nationale. Regardez un peu sur Internet les témoignages du jeune Alexandre Song. Alexandre Song. Il venait avec, il était seulement capitaine. Un jour, il est allé au vestiaire avec son gars du corps. Il demande qu'on mette un joueur. Imaginez quelqu'un comme ça diriger la FECAFOOT. Et c'est le même Eto qui était dans des magouilles pour envoyer Ian Mohamed en prison. Aujourd'hui, il retourne. Il veut la voix des nordistes et
pas dans son entourage, dans son cercle fermé, il n'y a aucun nordiste. Et on peut dire que la moitié des délégués viennent du nord. Après, il y a la moitié qui viennent de l'ouest, que Obama a insulté. Et d'autres qui viennent du nord-ouest, les ambassadeurs. qui va voter? Qui va voter et tout? Et puis, il y a une chose. Et tout, c'est de l'amateurisme. Vous comprenez? Vous voyez, je ne dis pas que Seydou Bounjoya est un ange et tout, mais Seydou est accessible. Ce n'est pas le peuple qui vote à la FECAFOOT, ce sont les délégués. Et je peux te dire avec certitude que tous ces délégués ont le numéro de Seydou et il est accessible. Mais pour avoir Eto, il faut passer par Obama, après Tanye et tout. On ne peut pas l'avoir. Donc, justement, notre problème ici, ce soir-ci, là, n'est-ce pas? C'est que quelqu'un comme Eto, qui a, c'est-à-dire le carnet d'adresse qu'il a, est incapable de s'indigner contre le massacre des enfants. Parce que les enfants, là, ils n'ont pas demandé la guerre. Après Paul Biya au Cameroun, Eto est le plus célèbre. Il a un carnet d'adresse bien garni. Oui. Vous comprenez? Par rapport à ce qui s'est passé à l'extrême nord, il a dit quelque chose où on fusillait les enfants sur les... Sur le dos de leur maman. Oui, j'ai même oublié de mentionner ça. Oh là là. Il a dit quelque chose? Non. Obama n'avait pas dit que c'était au Mali? Voilà. Vous croyez que nous sommes des moutons? Ce qui s'est passé, les enfants qu'on avait tués à Bamenda, il a dit quelque chose? Non. Même un petit message sur sa page Facebook, il a dit qu'il n'aime pas le Cameroun. Si c'est pour lui, il est capable d'appeler les blogueurs et des Tchinda qui viennent là prendre les miettes et l'accompagner. Il pourrait faire la même chose pour les tueries de l'extrême nord. Il pouvait faire la même chose. Vous avez vu les gens qui l'avaient accompagné, les badauds là, il pouvait marcher pour les gens qu'on tue tous les jours. Même la petite fille de 8 ans l'autre jour, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Et il a un carnet d'adresse, comme tu dis, il est influent, on ne peut pas nier ça. Donc, il va droit au mur. Il va échouer et un jour tu vas remettre ce direct. Vous allez dire que j'ai raison. Il va droit au mur. Parce que il s'est entouré de tribalistes. Des tribalistes. Je sais de quoi je parle. Je connais ce cercle. Surtout cet Obama. Voilà. Au moins de choses, à Canal, lui, il devait dire que j'ai demandé qu'on rase les villages, je demande des excuses, machin, truc, et tout. Tous ceux qui l'entourent, les Tanya et tout, je ne sais même pas si on donne des conseils à Edou. Ok. Moi, connaissant comment ça se passe à Yaoundé. Quelqu'un vient dire que je vais amener des gens délogés ou bien je vais amener le gouvernement à les enlever. Le gouvernement, c'est qui? Donc, il va amener Paul Biya à enlever Saïdou. C'est terrible. Tu peux chuter, Bachir. On a au moins 50 appels manqués là actuellement. Là. Est-ce que tu peux chuter, s'il te plaît? J'ai dit que ça va, il va droit au mur. Ça va pas se passer comme ça. Nous, les nordistes, nous allons contacter nos délégués et nous allons donner un mot d'ordre et ils vont nous suivre. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. J'espère que Samuel Eto, tu as compris. Comme tu ne veux pas te soucier tu ne te soucies pas de la mort des enfants. Attendez un peu 2 secondes. Je prends par ordre rapidement. Voilà. Souvenez-vous de la vidéo où on voyait des militaires camerounais assassiner des enfants sur le dos de leur mère au nord. Ernest Obama avait dit que c'est au Mali, que ce n'est pas au Cameroun. Allô? Bonsoir Max. Bonsoir, on vous écoute. Oui, merci pour votre direct de ce soir. Je suis très d'accord avec vous, j'appelle du Cameroun.
D'accord. Oui, je suis très d'accord avec vous. Monsieur Samuel Eto'o, il n'aime pas le Cameroun et il n'aime pas les Camerounais. Et puis, Monsieur Samuel Eto'o peut être un bon joueur, mais il y a une très grande différence entre être un joueur et être un manager. Exactement. La question, c'est est-ce que Samuel Eto'o a la trempe d'un manager? Je ne pense pas. Monsieur Samuel Eto'o ne nous a jamais montré qu'il peut diriger quoi que ce soit. Non, il ne peut diriger que ses pieds pour marquer les buts pour lui-même et pour sa famille. Donc, Monsieur Samuel Eto'o, ce n'est pas le bon candidat pour l'Africa Foot. Parce que gérer l'Africa Foot, c'est gérer le football camerounais. Et c'est gérer les Camerounais, en fait. D'accord. Donc, s'il n'a pas pu gérer l'équipe nationale, parce qu'on a la mémoire courte, hein. Quand on va dans l'historique de M. Samuel Eto'o, il a mis beaucoup de sel dans sa sauce. Hein. Il a mis beaucoup de sable pour son tapioca, M. Samuel Eto'o. Nous sommes désolés, mais il ne peut pas diriger quoi que ce soit au Cameroun. Il ne peut rien diriger parce qu'il n'a pas le... Il n'a pas le truc d'un leader. Il n'est pas leader. C'est un joueur, oui. C'est un très bon joueur. Nous sommes très d'accord avec ça. C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un leader. Et le leader, souvent, le leadership, c'est quelque chose d'inné d'abord. C'est quelque chose d'inné. Et puis quand on ne l'a même pas, quelqu'un de la trempe des taux, il ne l'a pas. Il pouvait se former en management. Il pouvait se former en leadership. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il n'a pas encore eu d'acte, il ne s'est pas encore comporté comme un leader. Même dernièrement, quand il allait déposer sa candidature, il n'y a rien qui montrait qu'il est un leader là-bas. Donc, il faut qu'il démontre au peuple qu'il est un leader. Aujourd'hui, il a besoin du peuple. D'accord. Parce il doit commencer par dénoncer les massacres qui se passent dans son pays. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Max, il y a même une autre question que je voulais vous poser ce soir. Mm-hmm. Par rapport à tout ce que vous avez... Moi, je me pose une question sérieuse. Je me demande pourquoi M. Samuel Eto'o, qui a soutenu Paul Biya, pourquoi Paul Biya ne le soutient pas dans cette candidature à la FECA? C'est un peu bizarre. On a l'impression qu'il se sent seul dans cette candidature. On a l'impression qu'il a besoin du peuple. Alors que s'il est un bon Sardinat, normalement, la Sardinavie devrait lui rendre hommage. On devrait lui donner ce poste. Bon. Je me pose la question, pourquoi il a besoin du peuple pour ce poste, alors que c'est un Sardinat? Bon, justement, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, on vous écoute. J'espère qu'on va essayer de faire l'effort de limiter le temps de parole même à 3 minutes. Alors, on vous écoute attentivement. Bonsoir. Vous êtes bien chez Max Senior Officiel. Bonsoir, bonsoir. Oui, excusez-moi, je vais un peu parler le français là. Même si ça sort, ça sort. Si ça ne sort pas, ça ne sort pas. Ah, you can talk in English, my brother. You feel talk in English. No problem. Let me go in French so that you'll be clear. Ok, right. Bon, voilà. J'espère que c'est clair. Tout est clair maintenant. Tu vois les enfants quand on est parti tuer au niveau de Kondo Titi. Mm. J'espère que maintenant tout est clair. Mm. On a eu le temps de pousser les gens dans le mur. Vous êtes en train de faire vos politiques. Actuellement, là, toutes les zones francophones qui sont à la frontière, ce n'est plus les militaires. C'est les civils francophones actuellement là que nous, on va brosser. Maintenant, on ne combat plus les militaires parce que les militaires savent que nous, on a gagné la guerre. Ils ne veulent plus venir vers nous pour nous trouver en brousse. Ils partent tuer plutôt les civils. Les enfants à l'école. Tout est clair maintenant. Donc, toutes les frontières qui sont là, toutes les frontières qui sont avec nous, soyez prêtes. Soit vous partez prendre les métaux, vous venez balancer là-bas. Les grands-mamans, comme les vieux, comme les jeunes, on va finir tout le monde. Parce que la guerre maintenant, c'est ambazonné contre les francophones. C'est comme ça, c'est clair. Toi, tu es là, tu fais ton travail. Tu avais un peu poussé un peu à côté là parce que tu Kamto, ce n'est plus le Cameroun, n'est plus le problème de Kamto. Toi-même, tu n'as pas compris. Tu es là, vous parlez Kamto, chassez les gens, vous parlez de Kamto. Quand toi, il y a travaillé dans le gouvernement,
Donc, ce que vous devez faire, c'est libérer votre la République. Ce n'est pas Kamto, Kamto que vous parlez là. Soyez prêts. Tout est clair, le message est clair. Non, ne t'inquiète pas, my brother. Nous sommes en train de mettre les choses en place pour chasser ces gens-là par tous les moyens. J'espère que tu nous suis tous ces derniers temps-ci. On va seulement les chercher. On s'en fout des politiciens. Nous, on n'a plus rien à foutre avec les politiciens. On va seulement... On ne va pas arriver jusque-là. Non, 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 ma brother. On va pas arriver jusque-là. Nous tous, nous sommes maintenant dans le game. C'est comme ça, là. On va chasser ces gens-là par tous les moyens. C'est tout. So, all man know here, it be very clear. C'est now, the war, not be military again, where we attack them. Ce n'est pas les militaires qu'on cherche. On va chercher maintenant les francophones qui sont à la frontière. On les finit. On va entrer dans une école aussi. Francophones, on... Les gens de Chang là, on va finir tout le monde parce que pour nous, ça serait très grave. Pour les militaires, ils viennent seulement chercher quelqu'un pour déstabiliser nos populations, pour vous faire embrouiller. C'est fini. Maintenant, soyez prêts. Non. Comme ceci, on va attaquer. Ma boda, non, j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. On ne va pas arriver jusque-là. Pour le moment, les populations n'avaient pas encore compris. J'espère que tout le monde a bien compris que le gouvernement Biya doit partir. On ne va pas arriver parce que c'est exactement ce que le régime Biya veut. Ils veulent absolument que opposer les populations francophones aux populations anglophones pour montrer qu'ils avaient raison. Non, nous, on est en train de nous organiser pour chasser ce régime-là. Max. Il avait le temps que les francophones devaient déjà comprendre qu'ils devaient sortir en masse à Douala. Non, ils vont comprendre maintenant. Ne t'inquiète pas, je sais de quoi je parle. Il faut au moins 3 000 ou 4 000 francophones dans une frontière pour les finir. C'est là où ils vont sortir avec la force. Parce que les militaires, quand on les élimine, ils atterrissent chaque jour. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut les... On va entrer dans... Comme à Changla, un village à Changla. On brosse tout le monde. Un journée là. Pim! Maintenant, ils vont sortir maintenant avec la force. C'est ça, c'est clair. On ne discute même pas de ça. Maintenant, c'est clair. Maintenant, dès qu'on va mettre les choses en place, on démarre. C'est comme ça. Bon. Faut que je te dis. Ok, donc, j'espère quand même que tout le monde a écouté la colère. Merci beaucoup, ma boda. Et passe une bonne soirée. Oh là là, j'ai raté encore l'appel là. Vous voyez, les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Ils ne veulent rien comprendre. Allô? Oui. Oui, allô, bonsoir. On vous écoute en 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, parce qu'il y a tellement d'appels ce soir, c'est incroyable. 2 minutes seulement. Il faut que plusieurs personnes puissent parler. Baissez le volume de l'autre côté, s'il vous plaît. Oui, est-ce que tu m'entends, Max? Oui, je t'entends bien. Il faut baisser le volume complètement de ton côté pour pouvoir parler. Baissez le volume du live, pas de ton téléphone, du live. Donc tu baisses le volume du live et tu parles directement avec moi. Le peuple t'écoute. Oui, c'est fait. D'accord, on t'écoute en 2 minutes, mon frère. Oui, j'ai pas besoin de me présenter là, j'appelle dans l'anonymat. D'accord. En fait, c'est concernant la candidature d'Eto. Il faudrait pas qu'on oublie qu'avant lui, il y a eu beaucoup d'autres candidats qui se retrouvent dans la même situation que lui. Et puis, si sa candidature est acceptée, qu'est-ce qu'on fait des autres candidats qui sont passés avant lui? Et sans parler de la politique, on va juste se focaliser sur la partie qui concerne la FECAFOO. Bien que c'est toujours au Cameroun. Mais que fait-il dans les histoires du Cameroun? Puisque le Cameroun ne lui concerne pas quand il s'agit de tout ce qui se passe comme la guerre, l'abandon du peuple et toute autre chose qui pouvait intervenir en tant que Camerounais qui a le monopole, qui a le pouvoir de dire un mot. Que pense-t-il faire? Que pense-t-il faire de la FECAFOO qui n'a pas pu faire là quand il s'agissait de réagir pour des petites choses? C'est pour la FECAFOO qui fera quelque chose de mieux. Ça, c'est la partie que j'aimerais. S'il écoute, si c'est Samuel Eto, écoute, faudrait qu'il quitte. J'aimerais qu'il retire sa candidature. S'il veut continuer à être le grand homme qu'il est, qu'il retire sa candidature. Il n'y a pas de honte à ça. Et qui reviennent au peuple, qui demandent vraiment, qui s'excusent de son silence, afin qu'il redevienne la personne qu'il était. Voilà. Sinon, que ce soit l'argent, que ce soit son pouvoir, son carnet d'adresse,
on n'en a rien à battre. On en a, il faudrait que ça soit très clair là-dessus. On n'a rien à foutre avec ça. On veut la paix dans ce pays. Rien d'autre. S'il y a la paix, tout le reste viendra. Mais c'est sans clair. La paix, on ne va nulle part. On ne va nulle part. C'est clair. Voilà. Que ça soit très clair. S'il écoute, en direct, je sais que même s'il n'a pas écouté, là, il y a quelqu'un qui va aller. Non, non, il écoute tous mes directs. Je peux vous rassurer que Eto, quand je parle de lui, il écoute bien même, il me suit bien même. Et parfois, il fait des commentaires à des amis qui me retransmettent ça. Donc, il écoute bien, il écoute. Donc, il va vous écouter. Même s'il n'est pas en direct, il va vous écouter. C'est qui est sûr, il va vous écouter. Qu'il sache que le peuple a vraiment mal. Et que ce peuple qu'il appelle au soutien aujourd'hui, bien que ceux qui sont au niveau du Cameroun, ils ont comme peur de s'exprimer, de peur de répression. Mais... Ceux qui ont pu quitter le Cameroun ont quand même le droit de parole. Même si, même s'ils arrivent souvent à l'aéroport, on les attrape ou whatever. En bref, qu'il fasse ce que lui, avec son pouvoir qu'il a, qu'il s'asseye dans son bureau, qu'il réfléchisse 2 secondes. Qu'est-ce que je peux faire pour les Camerounais? Parce que jusqu'ici, on dit, oh, et toi, et ceci, et toi, et cela, mais je n'ai pas encore vu. Moi, personnellement, j'ai pas encore... Peut-être d'autres Camerounais ont vu, là. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore vu qu'est-ce qu'il a réalisé pour les Camerounais. Voilà. On va dire qu'il a fait un pavillon à la Quintini. Qu'est-ce que la Quintini devient? Faire un pavillon sans avoir le contrôle, tu n'as rien fait. C'est tout. Parce voilà. Que c'était pour aider les Camerounais. Voilà. Mais ceux qui sont toujours aux affaires ont pris pour s'asseoir dessus, pour faire de ça ce qu'ils veulent. Si ce pavillon servait les Camerounais, on serait plutôt en train d'opérer les gens... devant l'hôpital à Quintini, avec un couteau de cuisine. Voilà. Ça, c'est inacceptable. C'est voilà. Inacceptable. Réveillez-vous, les Camerounais. De quoi? Vous attendez qui? Vous voilà. Attendez qui? Oui, effectivement. Voisins? Effectivement. Franchement, les prisons au Cameroun sont tellement pleines qu'on a juste envie de les transférer ailleurs. Tous les jeunes Camerounais sont en prison. C'est ce dont on attend d'un pays, d'un gouvernement. Lui, il va venir... Qu'est-ce que lui va venir faire à la FICAFOOT qui va aider les Camerounais à vivre une vie meilleure? C'est pas de ça que le Camerounais a besoin. D'accord. Qui se réveille, qui se pose des bonnes questions. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, on va prendre un autre appelant. Alors, allô? 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 Allô, parlez avec moi ici, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui, oui, il faut baisser le volume du live. Il faut d'abord baisser tout le volume du live de l'autre côté, même si c'est sur la télé où il faut baisser le volume complètement. Oui, je l'ai déjà fait. D'accord, et maintenant tu parles avec moi et le peuple t'écoute. Bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir, c'est Béance de Londres. Ah, ben bonsoir Béance de Londres, comment tu vas? Non, je vais bien, merci. Ok, super. Super, on t'écoute, tu peux parler un peu fort s'il te plaît, parle un peu fort. Franchement fier de ce direct parce que vu tout ce qui se passe au Cameroun et que Eto ne s'indigne pas et aujourd'hui il pose sa candidature pour être je ne sais pas candidat à l'élection de président de l'Afrikafoot. J'aimerais que mon message s'adresse au Cameroun et j'aimerais dire au Cameroun, nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas des bêtes. Que personne ne vous Eto a toujours milité pour son propre intérêt, l'intérêt de sa famille, je veux dire. Mm-hmm. Donc, pour son propre intérêt. Regardez même, est-ce que Eto peut gérer... Vous avez vu, il y a une année là, je ne sais pas, il y a de ça peut-être 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, le fils même, le propre fils d'Eto se plaignait. Se plaignait, il était là avec, entre la bagarre, entre Eto, sa maman et lui, je ne sais pas, l'enfant surtout. Combien de fois quelqu'un n'arrive pas à gérer les affaires de sa famille? Combien de fois il va venir gérer tout un peuple? Et on lutte pour son propre intérêt. Donc j'appelle les Camerounais à ce que ne votez pas ce monsieur. Quand il va perdre ses candidatures, là maintenant, peut-être il va vous pousser maintenant à aller dans la rue. On sortira, on va profiter, souvent on profite de la rue pour chier dans le torrent. Profitons de son échec, on chie dans le torrent. C'est tout. On sort en masse. Donc, tout ce que je peux dire maintenant, c'est que voilà un coup, voilà peut-être une façon que Dieu veut nous donner. Voilà, on dit que voilà peut-être la main qui veut tomber du ciel.
essayons à exploiter cette manne. Donc, c'est-à-dire la perte d'Eto'o à la présidence de la FECAFOOT, peut-être il va pousser les jeunes à sortir dans les rues. Prenez son argent, sortons une fois maintenant, on discute, on casse tout. On casse tout, le Cameroun est à casser et à refaire. C'est à casser et à refaire parce que il n'y a que les emplois des ministres. Voilà le ministre Jacques-Pamel Dogo qui a pris son fils, il y a sous-préfet du ministère de voir de quel parti maintenant là. Donc il faut que les jeunes comprennent que le Cameroun, si on laisse le Cameroun comme ça là, nous on ne souffre pas, nous ça on ne souffre pas. On a beau faire, mais tant que vous les Camerounais du Cameroun ne sortez pas dans les rues, je vous jure que le Cameroun sera gouverné de père en fils, de fils en fils, de fils en fils, même la 7e génération. Donc j'appelle les Camerounais à sortir, que personne ne vote Eto'o. Personne ne le vote. Même si là, vous avez deux gens qui le votent, ils perdent ce candidat. Et maintenant, ils vous poussent dans la rue. Ils vous payent l'argent, vous sortez dans les rues. Et maintenant, on refait à zéro. Donc c'était ma maman. Quand Eto'o ne peut même pas diriger ce Cameroun. Déjà qu'au niveau des Lions, il a échoué. Au niveau de sa propre famille, il a échoué. Donc ce n'est pas avec vous les Camerounais qui va passer. Il gravait tous les jours sur les stands des Camerounais. On a tué Agabou, n'a rien dit. On a tué Aboyé, n'a rien dit. On a même tué la petite fille là. Même maintenant, j'ai encore la photo de la petite fille. J'ai dit qu'elle avait laissé ça peut-être pour ma vie là-bas sur mon Facebook. On n'a rien dit. La petite Caroline. Et tu n'as rien, même pas posté. Tous les stands ont même posté. Et tu n'as même pas fait un post. Ce n'est pas les humains qui viendront tout gérer. Il s'en bat les couilles. Il lutte pour sa propre famille. Donc, ne le votez pas. Laissez-le aller dans son chèque. Et il échoue. Il vous envoie dans. Il vous paye, vous sortez. Maintenant, là, nous, on profite du torrent. On chie dans les pluies. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Béance. Merci beaucoup. De rien, Mars. Vous passez une très bonne soirée. Merci pour tout ce que vous faites, Mars. Bonne soirée à toi. Ça va payer. On sait. Mais ça va payer. Ça va payer. Bonne soirée à toi. Allô? Allô? Baissez le volume du live, s'il vous plaît. Écoutez-moi ici et baissez le volume du live de l'autre côté avant de parler. Okay. Baissez tout le volume. Ouais, j'ai baissé ça. D'accord, on vous écoute alors. On vous écoute en 2 minutes. Ok, good evening, Mark. Good evening, my brother. Yes, this is your Ambazonia brother. Yes, I know. Yes, I'm very, very happy to get you today. Yes. You know, I always tell you that you people are playing, Cameroon or La Republic is playing with a very dangerous system. La Republic is playing with a very dangerous system. I want to recall you back when you talk about football and about Eto'o. It is not a coincidence that they are bringing Eto'o fist at this moment. Cameroon is boiling. This regime that is in place, the Bias regime, has been planted. And they will do everything. The French Republic will do everything. He has made himself to be the best student in the French Republic. They will do everything to put him there in place, to maintain him. One thing I would like you people to recall. In 1990, when multipartism was created, people died in Bamenda. That same year, Cameroon qualified for the 1990 World Cup in Italy. Since the French Republic and the international community has discovered that Cameroon has the love for football. Love for football. Because of football, a Cameroonian can sit without eating. A Cameroonian can prepare not even to go to work without food because of football. Max, I am telling you, Cameroon loves football. It is not a coincidence that they are bringing Eto'o fist at this moment. That is how the international community and FECAFOOT and FIFA, they used
Cameroon in 1990 when multipartism came to Cameroon to quell down. I want you to go back to your history. We should not be talking and going ahead without thinking what happened behind. In 1990, when that particular moment happened, if you can recall yourself, I want you people to know that the love that Cameroon has for football, the youths, especially the youths, and that is why they are bringing this joker, Eto, at this moment, to calm down the anger in the minds of the youths. Eto has been kept to play this particular role at this time. Bia is going. So they know for the country not to be in turmoil, they have to bring somebody, a youth. And I want you to know, no matter what we sing here, we go up, we come down, Eto will be the Fekafoot president. And since the youths, I want you to know that the youths of Cameroon can never go against Eto because of the love of football. I just want you to recall the last match Cameroon won with Ivory Coast. That is just an example. New people played, they played the match in La Republic. There was jubilation everywhere. But it was a non-event in Ambazonia. It was like nothing was happening because we have lost. I am still recalling you. Ambazonia is gone. I want you people to put in your head. It is rather unfortunate that Ambazonia hasn't got, we have the money, but the money is not in our hand. Ambazonia is gone. Even if it is for the 30th generation for 300 years, Ambazonia is ready to, our undone children will fight this war. The guns are already in the bushes. We have already the guns in the bush. There is nobody who is going to take those guns away from us. So it is up to you people to do what you can do. You can talk here from today till tomorrow. If you don't do everything, I have told you, this is the time. This scam that has come to Cameroon at this time, it is not a coincidence. It has been planned. Because of, just look how dirty La Republic is. Because of the dirtiness, FIFA has still granted Cameroon to play. Which country can be so dirty like Yaoundé? Douala has dirty, no roads. Hotels are very dirty, but they still give them. It is not the stadium that is playing football. Environment counts a lot. But as dirty, FIFA is corrupt. FIFA has granted this football to Cameroon to play just to calm the tension that is in Cameroon. That this camp was supposed to take him to another place. But France has told them that competition camp must play in Cameroon to calm down and to quell down the tension. Because if this camp is not going to play this year, I bet you, France will abandon Cameroon and Cameroon will be free. Bia will run and his government. That is the secret. So you can talk from now till the kingdom come. If you people allow one single match again, I thought that you people, even the match with Ivory Coast, you people were going to disrupt the match. But unfortunately, it's like, you people are throwing water on the deck's back. It is an advice. I am advising you as a technocrat. George Weah Opong, the president of Liberia, it is a French product.
He was in Yaoundé. He played in, I think it was in Tonnel, Kalala Club of Yaoundé. From Yaoundé, before he came to France to play to Monaco, it's a French product. From there, that is where they plant everything. Look, the tentacle that France has in Africa. If France wants to put a president in any country in Africa, they will put it through Cameroon, through Biya. So if you people, I am telling you, if you people allow this camp place, Ivory Coast came and played there, you people clapped, people drank. That was just for you people to give them an example. And they have tested the water. Because that match was to come and test the water to see their reaction. And they succeeded because the water is cold. Lo Nepa show. The water is cold. They come and test you people to see your reaction. And they succeeded. Now Eto'o is coming. It's a youth. All the youths in camp, there is nobody who will go out to riot against Eto'o. There is nobody. He's coming at this particular moment because he has been prepared for this time. He's a joker. France is a very intelligent country in the EU, in FIFA, in it. He has his tentacle. Once he says anything, that is what is going to happen. So please, take my advice. Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you. Voilà. La CAN ne doit pas se jouer au Cameroun. Et je pense vous l'avoir déjà dit ici. Nous devons nous saisir de toutes les occasions possibles pour que cette CAN ne se joue pas au Cameroun. Parce que si cette CAN se joue au Cameroun, les gens là vont prendre beaucoup de points. Déjà que même le stade Paul Biya, qui est censé accueillir le match d'ouverture, n'est pas prêt. Pour ceux qui ne le savent pas. Et la CAF a donné un avertissement jusqu'à fin novembre que si ce n'est pas prêt, ça va se jouer ailleurs. La mort des enfants que vous voyez au Nozo là, c'est un élément fondamental pour demander l'annulation de l'organisation de la CAN au Cameroun et déporter ça dans un autre pays. Beaucoup de pays sont prêts à accueillir cette CAN. Beaucoup de pays sont prêts à accueillir cette CAN. Donc nous devons absolument, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler plusieurs fois là, que j'essaie de rappeler. J'essaie de rappeler certaines personnes parce que je vais bientôt couper aussi le live. Dans 20 minutes, je vais couper le live. Donc, je permets aussi, il faut que plusieurs personnes puissent donner un mot rapidement pour que je coupe le live, avant que je ne coupe le live. Bon, la personne n'est plus disponible. Je vais prendre rapidement une autre personne qui appelle d'où? Non, oh là 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 là, je suis en train d'appeler une autre personne. Attendez d'abord. Allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute en 2 minutes. Il faut baisser le direct de l'autre côté. Le direct. Baisser le volume du direct de l'autre côté, sinon vous n'allez pas bien intervenir. Ah, mon frère, j'étais la toute première personne à appeler. Forcément, tu as fait une fausse manœuvre. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Bien. J'étais donc en train de dire, pour cette histoire de candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, vraiment, si on pouvait appeler la population camerounaise à rejeter sa candidature ou à ne pas le voter. Parce qu'il faudrait que les Camerounais prouvent à Samuel Eto'o qu'on lui fasse comprendre que ce n'est pas la FECAFOOT, ce n'est pas le problème de tous les Camerounais. La FECAFOOT, c'est le problème des footballeurs camerounais, ce n'est pas pour tous les Camerounais. Alors au Cameroun, on a peu de footballeurs.
on a les problèmes plus importants que la FECAFOOT. On a des problèmes qui sont en train de nous miner, qui sont en train de nous tuer peu à peu. J'ai suivi un anglophone là qui a dit tout à l'heure qu'ils vont commencer à attaquer les frontières francophones pour y entrer et massacrer tout le monde. On va prendre ça à la légère, mais demain, c'est quand des gens vont mourir qu'on va prendre ce qu'il a dit aujourd'hui au sérieux. Donc vraiment, il faudrait que Samuel Eto'o utilise son nom, il utilise son autorité pour cesser cette guerre dans le nouveau. Ceux qui meurent là, ce sont nos enfants. Ceux qui meurent là, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, c'est nos pères, c'est nos mères. Cette histoire de FECAFOOT là, Samuel Eto'o est très mal placé. Il est très mal placé pour gérer cette histoire de FECAFOOT. Depuis le départ, depuis le début de cette promotion à la proposition de la présence de la FECAFOOT, moi-même j'avais écrit sur sa page qu'il faut qu'il laisse ces choses-là. Les histoires du Cameroun et lui, ils ne font pas bon ménage. Mais s'il a quelque chose à faire pour aider le Cameroun, pour aider les Camerounais, c'est de porter le fanion, c'est de taper la main sur la poitrine et de dire que la guerre au Nozo doit s'arrêter. Car il a les capacités, il a ce pouvoir-là. Que le régime qui est là sur place, au régime auquel il est participant, je ne sais pas s'il est devant ou s'il est derrière, ce régime avec un président qu'on dit, on prétend déjà que c'est la photo qui dirige le Cameroun. Il ne faut pas qu'il s'allie à ça. Son argent est suffisant pour lui pour vivre une vie de rêve. Sa vie qui n'a même pas de sens. Mais vraiment qu'il utilise le titre d'ambassadeur ou d'ambassadeur de l'UNICEF pour aider les enfants qui pleurent. Parce que ceux qui meurent auprès des autres traumatisent d'autres qui sont en vie. Celui qui reste vivant à côté d'un mort est plus mort que celui qui est couché. Parce que ça fait mal. Les enfants n'ont pas le courage, n'ont pas le cœur de supporter ce choc. Donc vraiment, il faudrait que Samuel Eto'o utilise son autorité, qu'il utilise son calepin, son agenda, tout ce qu'il a comme pouvoir pour essayer. Il ne suffit pas qu'il demande aux Camerounais de porter les armes, mais il suffit juste qu'il demande au gouvernement de faire cesser cette guerre. Parce que la guerre du Nozo est pilotée par le gouvernement, une façon de blanchir l'argent et de faire des détournements. Voilà. Donc vraiment, si Eto'o aime vraiment le Cameroun, dans ce blanchiment qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de finir une population, de finir tout un peuple. Parce qu'ils sont en train de se remplir les poches, mais les gens ne font que mourir. Ils sont en train de payer l'argent du sang. Voilà, merci beaucoup. Il y a un karma, il y a un karma. Dieu est au ciel, Dieu voit, mais ce n'est pas Dieu qui viendra délivrer le Cameroun. Il faudrait que nous, les Camerounais, qu'on se batte à délivrer notre pays. À travers un homme. Un homme que Dieu nous a donné, un homme qu'on a soutenu. Il faudrait que Samuel Eto'o aujourd'hui se tourne et regarde ce qui se passe à l'arrière du pays. Et voit ces gens qui meurent tous les jours, les déplacés. Les gens qu'on arrête par-ci, par-là, on jette en prison parce qu'on prétend dire qu'ils sont des sécessionnistes. Voilà. C'est terrible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. De rien, mon frère. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Arrêtez votre cœur, parce que la vidéo, là, est horrible. Je vais vous montrer, donc, la vidéo, n'est-ce pas, des militaires qui massacrent des femmes avec des bébés sur le dos. Des militaires camerounais. Et Ernest Obama avait défendu les militaires Simordicus en disant que ce n'est même pas au Cameroun, que c'est au Mali. Qu'on n'embrouille pas les gens avec des histoires comme ça. On ne va pas dire ici tout ce que tous les propos tribalistes et haineux que Ernest Obama a eu à l'encontre d'autres communautés camerounaises quand il était à Vision 4. Mais c'est ce genre d'individus, n'est-ce pas, que Samuel Eto'o a trouvé pour mettre à côté de lui. Donc vous voyez que Eto'o lui-même là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc regardez attentivement et puis je vais dire le mot de la fin. Voilà. Deuxième classe Cobra, c'est ça. Caporal chef, Chocho. Monsieur Seignon. Je vais vous
Donne-moi la calebasse, on te voit bien là-bas. Bon. DH. Tu vas mourir. Donc, je vous montre ça là, ça c'est une censure. Et vous lisez ici, si vous pouvez bien lire, on dit, les autorités camerounaises ont dénoncé un horrible trucage. Et pourtant, la vidéo était là, claire, c'est passé, je ne peux pas vous passer la vraie vidéo, sinon Facebook va me bloquer. Donc, ils ont, vous voyez les femmes et les enfants là, ils sont partis en filmant, hein, ils ont filmé comment ils sont en train d'exécuter ces deux femmes avec les deux enfants sur le dos. Et il y a un qui exécute, et puis il voit que l'enfant n'est pas mort. Il dit que l'enfant s'il n'est pas mort, il arme encore bien sa Kalachnikov, il tire sur un bébé, les bébés. Ceux qui n'ont pas bien vu, il faut que vous voyez bien les bébés là. Voilà. Les bébés, oh, c'est pas l'image est floue, donc vous voyez les bébés. Donc, ils ont exécuté ces femmes avec leur bébé. Ils ont exécuté. Ils ont tué. Jusqu'aujourd'hui, hein, la soi-disant enquête n'a jamais abouti. Allô? Allô, on vous écoute en deux minutes. Baissez le volume de l'autre côté, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai déjà dépassé mon heure, le temps que je devais mettre en direct. J'étais en train de dire que vous voyez un peu. Voilà donc exactement ce qui s'est passé. Et ben, Ernest Obama a défendu Mordicus que jamais, ce ne sont pas les militaires, ça se passe au Mali, et puis patati et patata, l'armée camerounaise très professionnelle, et après toutes les enquêtes, c'était des militaires camerounais. Le gouvernement maintenant se rétracte et dit que bon, on a ouvert une enquête, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas où les militaires sont. Voilà Ernest Obama qui est à côté de Samuel Eto'o aujourd'hui pour sa campagne électorale. Certains ont dit, si Samuel Eto'o a été incapable de bien gérer le capitanat à l'équipe nationale, ce n'est pas la FECAFOOT qui va gérer. Sachez que quand quelqu'un est incapable de s'indigner lorsque les gens meurent, ce n'est pas une affaire publique qu'il va pouvoir gérer. Il va pouvoir bien gérer parce que cette affaire, il dit qu'il va bien gérer l'argent des Camerounais. Parce que oui, à la FECAFOOT là-bas, c'est l'argent. Hein. Il y a les milliards qui tournent là-bas pour ceux qui ne le savent pas. Donc ce n'est pas l'argent et le bien-être des Camerounais qu'il va gérer quand dans son propre pays, il y a la guerre et il n'a jamais dit mot. Il n'a jamais dit mot. Donc, vous voyez, des grands artistes, des stars, des renommées internationales comme les Richard Bona, comme ça par exemple, qui s'indignent tous les jours. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait qu'une grande popularité comme la sienne incombe également de grandes responsabilités. Il y a des stars dans beaucoup d'autres pays en Afrique qui ne jouent pas. On ne va pas parler des Occidentaux, là c'est encore autre chose. Quand on touche au peuple, parce que c'est le peuple qui te porte, quand on touche au peuple, on viole les droits du peuple, tu dois t'insurger. Le Cameroun, nul ne peut ignorer aujourd'hui qu'au Cameroun, le gouvernement Biya exerce les restrictions de liberté à tous les niveaux. Il n'y a pas la liberté de manifester, la liberté d'expression, il n'y a pas. Il n'y a aucune liberté fondamentale. Le peuple ne jouit d'aucune liberté fondamentale. Mais un homme que le peuple a porté, Samuel Eto'o, un homme, le peuple l'a porté. Le gars part soutenir le dictateur qui restreint les libertés fondamentales du peuple qui l'a porté. Wonderful. Moi, mon explication, c'est longue. J'espère que vous avez compris. Le peuple te porte, te met au sommet. Tu finis d'être au sommet, tu t'en vas maintenant soutenir un dictateur qui viole les libertés de ce peuple, qui restreint les libertés de ce peuple, les libertés fondamentales, sans scrupule. Et après, tu prétends vouloir aller gérer une structure dans ce même pays et tu demandes au même peuple là encore de te soutenir là-bas. Pendant ce temps, dans ton pays encore, les gens meurent. Les gens meurent. Tu peux même parfois même soutenir même le dictateur par affinité. En même temps, tu dénonces quand même ce qui se passe dans ton pays quand il y a la guerre, quand il y a mort d'hommes, encore des morts des enfants. Les enfants sont massacrés tous les jours.
Rien n'y fait. Vous voyez comment les voix s'élèvent. C'est toujours comme ça que ici sur Facebook, les anglophones disaient qu'ils vont prendre les armes. On n'a pas cru. Voilà, voilà avec les armes aujourd'hui. Vous voyez, les voix s'élèvent déjà. Ils disent déjà qu'ils vont attaquer à gauche, ils vont attaquer à droite. Un jour, on va se lever comme ça, on va entendre qu'il y a eu un problème. Continuons toujours de dormir, continuons d'observer comment on les tue. Et je vais vous rappeler que je mets ma main au feu que ce ne sont pas les Amazoniens qui ont tué ces enfants. Parce que les Amazoniens sont soutenus par les populations. Et les Amazoniens ne peuvent pas être soutenus par les populations et tuer les enfants de ces populations. Si les populations dénoncent les Amazoniens, c'est que les Amazoniens sont en deux jours, on finit avec eux. Mais les populations soutiennent les Amazoniens parce que les Amazoniens, les Ambaboys, autant pour moi, les Ambaboys là, ce sont leurs enfants, ce sont leurs cousins, ce sont leurs oncles. Alors, ton oncle, ton cousin, ton frère ne peut pas venir tuer ton enfant. Ce sont les familles. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la lutte amazonienne se passe bloc by bloc. Personne ne traverse le village de l'autre. Personne ne traverse le village de l'autre. Chacun est dans son village, le territoire qu'il maîtrise. Et vous savez très bien comment nos villages sont. Nous sommes ultra communautaires. Ça veut dire que tous les enfants du village connaissent le village et se connaissent. Dans tout le village, quand tu arrives parfois dans ton village, on te dit que tu es l'enfant de qui, tu es là, c'est exactement comme ça. Tous les jeunes de ces villages-là se connaissent. Donc, ils ne peuvent pas aller tuer leurs enfants, leurs propres petits frères à l'école. Ça ne se fait pas. Si c'était eux, ceux qui se sont déjà gâtés entre eux depuis. Parce que les enfants que vous avez vus qui sont morts là-bas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un membre de leur famille qui est Ambaboy, qui est combattant Ambaboy. Donc, si on part tuer les enfants d'un combattant Ambaboy, mais le combattant Ambaboy va se révolter. Donc, vous voyez que c'est le régime Biya qui s'infiltre, qui part commettre ce genre de massacre pour qu'on mette sur la tête des Ambaboy. Tout simplement. Mais c'est ridicule. Parce que là où les Ambaboy les dépassent, c'est que les Ambaboy fonctionnent bloc by bloc. Ils ont mis cette stratégie-là pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu un problème ici, que quelqu'un venait de loin. Non. C'est bloc by bloc. Donc ça veut dire que les Kondo Titi que vous voyez là, ce sont que les Ambaboy de là-bas, ce sont que les gars des Kondo Titi. Et les populations les connaissent. Et les populations les soutiennent. Parce que dans ce genre de guerre, si les populations ne vous soutiennent pas, vous êtes finis. Si ces gars résistent, c'est parce qu'ils ont le soutien des populations. Alors, ils ne peuvent pas avoir le soutien des populations et aller tuer les enfants. Ces enfants qui sont censés protéger. Donc nous, on connaît tous ces systèmes-là. Et ça, c'est le système à Tangandi. Avec ces faux Ambaboy qui commettent des massacres depuis des années. Et l'opinion internationale n'est pas fou. Si moi, je réussis à réfléchir comme ça, l'opinion internationale a mené des enquêtes. C'est pour ça que vous n'allez jamais entendre les défenseurs des droits de l'homme là dire que avoir le langage du gouvernement. Non. D'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois, le gouvernement dit que les défenseurs des droits de l'homme veulent déstabiliser le Cameroun. Non. C'est parce que lorsque tu réfléchis, quand tu analyses la situation, tu te rends compte que, mais, normalement, ce genre de choses, ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que si ces gars commencent à tuer leurs frères, leurs petites sœurs, mais ils vont exploser. Donc, vous voyez que c'est le régime de Yaoundé qui tue. Et le régime de Yaoundé veut faire porter le chapeau aux Ambaboy. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne vais plus prendre d'appel. Parce que j'ai déjà dépassé mes temps. Sachez que c'est maintenant ou jamais. Nous prenons encore la peine de sensibiliser parce que nous avons besoin que les Camerounais comprennent bien notre démarche. D'ailleurs, ça fait quand même longtemps qu'on sensibilise, mais une sensibilisation de plus, c'est toujours bien. Il faut que vous compreniez notre démarche parce que quand on va démarrer, on a besoin de votre soutien. Parce que sans votre soutien, on ne peut pas aller loin. On a besoin de votre soutien. Et peuple camerounais, sachez que il n'y a pas de sauveur. C'est vous-même qui devez vous sauver. C'est vous qui devez vous libérer. Je sais que vous avez peur de la répression. Mais ne vous inquiétez pas. Ces gens-là n'auront pas la force d'user de la répression quand nous allons les frapper. Voilà. Chaque gendarme et chaque policier va se tenir tranquille parce qu'il saura que s'il s'amuse, il sera frappé.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes en tenue qui vont vous rejoindre. Beaucoup d'hommes en tenue vont vous rejoindre dans les rues partout. Ce sont eux qui vont vous créer le boulevard pour aller renverser le dictateur. Et moi, je vous dis, voici une occasion encore pour faire parler du Cameroun dans le monde. Cette canne-là qui disent que ça arrive là, ça doit être le plus grand lieu de contestation de toute l'histoire. Cette canne ne doit pas avoir lieu. Et si jamais ça a lieu, ça doit, les stades là doivent être le plus grand lieu de contestation. Ils doivent mettre tout le monde en prison. D'ailleurs, ils vont mettre dans quelle prison? Ça doit être le plus grand lieu de concentration, de contestation. Je pense que pour ce soir, nous en avons terminé. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior Ivoire. Vous étiez très nombreux à nous écouter ce soir sur Facebook et sur YouTube. Je vous reviendrai très certainement. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont écouté cette vidéo, Samuel et toi, il va écouter ça. Je viendrai vous dire encore. Encore une fois de plus, mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Mais nous là, les Camerounais francophones, sachons que si on ne fait rien, il y aura encore d'autres enfants qui vont mourir. Et ces enfants meurent des mains du régime de Biya. Bonne soirée à tout le monde.